Attends, je vais regarder. Alors attendez, je je mets en live, hein, je mets en live, on va on va, on va pouvoir je parler d'American Pie avec avec <laughs> Oui speakers. voilà Alors, excusez, maintenant. Ah ouais, bon bonsoir à tous. Excusez-nous, on était on était bloqué sur <laughs> euh, le retour <laughs> de Movie. Ben, non, ben, le retour déjà bon. de Movie des frères Wyatt. Ouais. et ensuite euh, American The Pie. Et euh, tout le lore American Pie, donc n'hésitez pas à partager vos, vos meilleurs American Pie dans le chat, bien oui, sûr. une grande saga cinématographique. Mais oui, 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 ah, mais oui. oui. clairement. Le parrain plus de la branlette, un peu. Hein. Le on parrain sait. de la branlette. Ah, bah oui, 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 oui bah, tout à fait. Oh, on est en plein dedans, là. Effectivement. Ah, ouais. tout à fait. De, la, de la tarte tout à fait. aux pommes. Ah, Je voilà. pense que bah, c'est l'équivalent ouais. en comédie des Resident Evil, tu vois ouais pour nom, ouais, euh, franchement pour ce... eh, tu sais que j'ai pas beaucoup d'amour pour cette saga mais Resident Evil c'est vachement mieux quand même bah, bah euh, oui voilà bah, ouais, ouais, ouais d'accord ouais, ouais, bah, tu non. vois je suis désolé hein mais ça ouais. et ça me fait mal j'ai euh... cru j'ai cru que t'allais dire ouais, qu'effectivement tu préférais American Pie qu'À raison de mais euh... ah non 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 les mecs ah en non, fait non, tu non, veux j'ai pas j'ai pas un humour forcément fin mais le mec qui mange une crotte de chien en pensant que c'est du chocolat ça me fait pas rire tu vois ça je suis désolé toi tu te marres alors voilà voilà ça marche finalement. Ça franchement alors qu'une bonne flûte dans le cul ça passe que... toujours alors la flûte dans le cul c'est la, 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 la flûte dans le ah, chat la, oui, la, oui, plus la ah, flûte dans oui, le cul oui, chat d'ailleurs parce que là t'es un peu extrême je trouve mais elle est un peu hardcore, elle est comme ça mais faut la retenir des fois moi ça me fait pas rire moi je suis désolé hein mais j'arrive pas ah, je, sais pas, Alors, le... je sais pas entre ouais, ouais. ouais on pourrait faire ton pote un mois, qui vient qui... Ton pote qui vient tous les six mois qui baisse ta mère bon je suis désolé mais bon euh, <laughs> voilà ça fait marrer j'entends j'entends que ça fait marrer non mais, voilà, je... ah, voilà ouais, mais c'est rigolo ouais, donc. la gorge déployée à côté de moi donc j'imagine qu'il y a un public bah, c'est un peu rigolo du coup du coup Jennifer Coolidge maintenant c'est voilà elle a bâti une partie de sa carrière là dessus tant mieux et, et maintenant, génial. elle fait des trucs respectables chez HBO, on va dire. Mais ah oui, ça, avec, avec White, White Lotus, ouais, la saison, ouais, la saison 1 veux... et 2. Ouais. Oui, effectivement, Donc, oui, tout à fait. Elle a, elle a fait, voilà, elle a fait. elle a fait ses bangers. Elle a fait 30 ans sinon rien. Enfin, cette... oh putain, 30 ans sinon rien. Hâte de Sky Movie 6. Ah mais marrer. 30 ans sinon rien, c'est <laughs> cul pour tellement de gens. Bah ouais, euh, 30 ans oui. sinon rien, c'est rationnel ouais, de Michel Garner. C'est bien, c'est bien. On m'a dit la même chose hier soir. Non. Ah ouais, non, non. Ouais, bah ici ouais. Se... <laughs> bon, hein. les gens les gens font ce qu'ils veulent <laughs> ouais bah, ouais je, je, je pense qu'on sera pas aussi euh, enthousiaste peut-être pendant le film enfin je sais que si il y a une partie qui ah, ah. sera enthousiaste mais ah. mais là on verra comment comment ça va comment ça va se dégoupiller ouais, Luc euh, sociologiquement, j'espère qu'il va pouvoir nous éclairer sur deux trois trucs hein. bien là, sûr j'ai pris euh... ah, c'est un film pour lui ça. Bah bien sûr, bah bien sûr. Bah alors, je, je, je dirais mon avis, mais euh, j'ai été chamboulé euh, dans mon avis. J <rire> <chamboulé>. <rire> je me doute, ah bah je me été, doute. J'ai été chamboulé. Ouais. Surtout que c'est un revisionnage. Je hein, l'ai la vu, hein. vu à la sortie, en plus, euh, Jennifer's Body. Même. Ouais, Et là, ouais, là, 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 voilà, c'était un retour un il y peu... Il a vu la fiche, Luc, là. Il là a, là, là, a vu la fiche, il avait la main dans le fil. Je fais partie, je fais effectivement partie de ce lot-là. Effectivement, tout à fait. Bah oui, mais il n'y avait pas de question à se ce moment 2009. Poussé ah, le par le Luke... ses hormones. Bah, le Luc de 2009, il avait quel âge Il avait 17 ans, donc forcément il, euh, il écoutait, écoutait Nightcall, tu vois. Bah, non, 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 Fall Out Boy, c'était Fall Out que... Boy. Boy à l'époque. La promo de l'époque, elle était complètement menteuse, elle était plus racoleuse que... Le fait que tu y sois allé... Que ça a fonctionné, ça a fonctionné. mais ça a, pas mais fonctionné ça a dû temps fonctionner temps. sur tellement de gens. Mais euh... Oui, bien sûr, bah oui, je pense bah... que très bien. D'ailleurs, dans le chat, Sauf... n'hésitez pas à, à nous Et dire ça... si vous êtes fait hooked par, par l'affiche. Je peux vous dire de... que ça fonctionne toujours, d'ailleurs, sur tellement de gens. Enfin, <laughs> euh, oui, oui, super, non, mais bien oui. sûr. Oui. Non, mais... Le film est racolé, donc euh, bon. Ça commence. Je... Allez, je vais commencer directement. Bienvenue à tous en Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Megan Fox en succube qui mange littéralement des hommes dans une esthétique des pires groupes émo-rock. C'est le programme de Jennifer's Body, enfin du moins ce que la Fox nous a vendu à l'époque de la sortie du film. Le studio a préféré viser les ados en pleine puberté, comme moi hein, bien sûr, qui voulait les boobs de Megan Fox alors que Jennifer's Body a été produit et tourné pour les adolescentes et jeunes femmes sur la difficulté des règles de l'adolescence et de l'amitié entre jeunes femmes. Plantage critique et commercial pour ce film mais qui est devenu culte avec le temps. Mais dans une époque sombre où n'importe qui réhabilite n'importe quoi, genre la vérité, si je mens, est finalement une étude sociologique des familles juives du 16e arrondissement de Paris au lieu d'être une comédie de merde Je vous pose la question. Voilà, la réhabilitation de Jennifer's Body a-t-elle réellement du sens en 2024 C'est ce qu'on va entendre dans ce podcast. Je suis Luc Lolillac aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Jennifer's Body de Karine Kuzama mérite la shitlist. Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir, je suis heureux de parler de films réalisés par la réalisatrice de Ion Flux, par exemple. Oui oui oui, 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 Mais elle a réalisé The Invitation, qui est pas trop mal, qui est pas trop mal. Si et vous Destroyer. Vous <coughs> qui est nul à chier. Mais euh, voilà, oui. elle a quand même réussi un film. Moi, je trouve dans sa filmo. J'ai pas non, vu Girlfight, hein. Je voulais, je, je, voulais, regarder Girl Fight. je voulais regarder Girlfight. Fire... Girl Girlfight, hein. franchement, c'est pas terrible. Je te jure. Ok, bon d'accord. C'était mmh. le premier rôle de Michel Rodriguez au cinéma, et on dit que c'est de la merde. C'est triste. Je sais pas que c'est de la merde, c'est pas terrible. Non, non, mais c'est... C'est oui. Michel. Michel, Michel, on est là. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonjour à tous. Et Wonder Vesper de la Team Cheatlist. Salut Vesper. Salut. Bon, euh, je, on n'entame pas tout de suite le, le sujet Diablo Cody. Hein. On a dit qu'on le fait pendant l'émission. Oh, on le fera, bon, on le fera tout à l'heure. Oh, au fil, à de vas -y, vas -y. Oh, fil de l'eau, vas-y. Au fil de l'eau. Donc on va laisser. D déroule. Exactement. On peut, la... on peut, bon, on peut bon, commencer à dire que Diablo Cody, c'est un peu stylé. Je t'appelle Diablo Cody, c'est pas mal. Tu vois. -ce que... <laughs> enfin, après, je me demande, est-ce que c'était son, son vrai patronyme ou est-ce que c'est son nom strip teaseuse à la base Parce qu'elle est. Oui, elle a fait la danse exotique. C'est vrai. Diablo Cody. Oui, bah, elle avait un blog où elle disait qu'elle n'était ouais, pas danse exotique. Après, est -ce son... que Diablo Cody. Diablo Cody, c'est stylé, je trouve. Tu vois. Oui, c'est pas bah, mal. Ouais. C'est moins Après, bien que Diabolo Cody. Il mais... comme le méchant de Suicide Squad. Euh... Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. pas ouais, pas mais ouais, mais c'est pas mal. Et on va lancer, du coup, la bande-annonce. Ah oui. Jennifer's Body sorti en octobre 2009 distribué par la Fox produit par Jason Redman et Fox Searchlight avec un budget de 16 millions de dollars réalisé par Karine Kuzama réalisatrice donc d'un des plus des films les plus moches au monde à une Ion Flux avec Charlize Theron il prononcé allemande. allemand c'est pas c'est pas mal entendu là c'est pas mal c'est pas j'ai entendu hein c'est parce qu'il y, y a trop de cuir dans le film ça le perd ah, bah, oui 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 et d'herbe en CGI qui devient un peu des, des couteaux là c'est oh. moins mal. Qu'ultraviolet, Il y a encore, il y a une bataille. Il y a une bataille. Il y a une bataille. Il y a un moment, je crois que je finis un peu par les confondre en vrai. C'est peut-être le pire. C'est possiblement le pire de la je pense. Tu vois Oui. Alors qu'il y a toi-moi qui est Monster. Toi-moi qui est toi Ouais, mais il y a Monster. Monster, c'est pire. Ok, ok. Quand même. Ce sera aussi un, mmh. un itéraliste bien sûr à faire. J'ai pas, pas <laughs> vu Monster, j'ai pas Non, non, laisse, non, non. Laisse, non. Laisse. non, non laisse, laisse. Scénario signé donc par Diablo Cody, déjà responsable de l'horrible film Juno, et récemment Lisa oh là là. Frankenstein. Euh, Lycène dans une petite ville américaine, Jennifer sous les traits de Megan Fox est une beauté fatale à qui aucun garçon ne résiste. Cette bombe cache pourtant un petit secret. Elle est possédée par un effroyable démon, mangeuse d'hommes à tous les sens du terme. Elle se transforme peu à peu en créature pâle, maladive et meurtrière. Nidhi interprétée par Amanda Seyfried, sa discrète amie d'enfance va désespérément tenter de protéger les jeunes hommes de la ville, à commencer par son les petit ami Chip, joué par le flanc des flancs, Johnny Simons. Allez, on va commencer avec Manu. Manu, qui oui, sur la a pensé crois. de <laughs> Jennifer's Body. Surtout, est-ce que tu avais vu le film à la base, à la sortie non, pas non, du tout. Euh, pas. La promo m'avait plutôt laissé de marbre, je ne oh voyais là pas là. exactement ce qu'ils essayaient de faire. Insensible, insensible. Je <laughs> scandalisé Je vais me lever de ma chaise, je vais me lever de ma chaise. <laughs> non, mais je t'avoue que la Megan Fox Potation n'était pas forcément ce que je cherchais à l'époque, et que euh, bah, pas, je connaissais pas la réalisatrice. Euh, J'avais même pas vu Juno à l'époque, tu vois, en 2009. Donc, euh, te dire que le, la, la scénariste, j'ai accroché, non je l'ai découvert ce matin, à 8h du matin, euh, du coup, mais en ayant une bonne décennie de, de l'or de Jennifer's Body à travers Tumblr, Twitter et oui, des bah choses oui. comme ça, les réhabilitations du film ou la, la réinterprétation, enfin la récupération euh, thématique et visuelle du film. Euh, donc j'avais quand même un certain nombre d'éléments, quoi. Je, je partais pas avec, euh, avec zéro base. Je savais qu'on allait nous faire croire qu'Amanda Seyfried était moche en lui mettant des lunettes. Meilleur métier au Un gars que j'ai du mal à passer, vois-tu. Mais euh, du coup, j'ai découvert le film et euh, bah, j'ai retrouvé une bonne partie de ce que les gens défendent. Euh, Je vois en quoi euh, bah, le fait que la promo est passée à côté, les gens sont passés à côté du film et euh, peut-être euh, de son ou ses messages à l'époque. Je pense qu'il est sorti peut-être un peu trop tôt, en fait, tout simplement. Mais euh, en le voyant, c'est une bonne expérience, si ce n'est qu'il euh, bah, est loin d'être parfait quand même. Ce que j'aime beaucoup dans le film, euh, alors, euh, de mémoire, Juno avait aussi des plutôt bons dialogues. Je trouve que les dialogues, enfin, euh, il y a, y a des très bonnes idées de dialogue, il y a des trucs qui, qui sortent un petit peu de l'ambiance du truc, enfin, qui, en, qui vont en décalage avec euh, l'horreur qu'on peut voir à l'écran. On a clairement un message de féministe et. Euh, et euh, gay et bisexuel euh, assez clair euh, entre les deux personnages alors ce qui est marrant c'est que dans les trivia du film il y, y a un trivia qui nous dit qu'il devait y avoir une scène de sexe entre les deux et il y a un trivia qui nous dit qu'il ne devait pas y avoir de baiser entre les deux <laughs> la prod a fait son choix oui. Admet, de toute façon il y a une version censurée quand même mais il euh, n'y aura pas non plus de scène de sexe mais euh, qu'est-ce que je disais, oui le film euh, a des très bons dialogues, réussit euh, à lever des très bonnes thématiques mais va jamais totalement au bout de son propos je trouve, il survole un petit peu le truc il a, il a surtout euh, tendance à, utiliser, enfin, à critiquer euh, l'utilisation de l'image de la femme au cinéma et à le faire. Mmh. Euh, il fait un peu une deadpool là-dessus, c'est-à-dire qu'il tire une balle dans le pied en, en allant euh, directement dans la direction qu'il critique. Euh, néanmoins, je trouve que ça reste plutôt pas mal. Alors en effet, euh, Johnny Simmons, c'est peut-être le point faible du film. J'ai trouvé ah, au oui, contraire ouais. Megan Fox. Que c'était un des meilleurs rôles dans, laquelle, dans lesquels je l'avais vu, puisque... C'est bien lui qui est dans Scott Pilgrim aussi Oui, oui, c'est lui, ouais. Oui. Ouais, J'ai eu un doute, il joue mais quoi, je... Il joue dans non, oui, groupe, je enfin... que j'avais ouais, En fait, bah, c'est le, ouais. la... le pote, euh, qui ouais. se fait écraser par... Bah, le même, en fait. Voilà. Même. Ouais. Il se fait écraser par la vie, oui, bah là, il est pas là pour briller, il brille pas vraiment. Ah non, non, euh... bah non du tout. <laughs> voilà. Non, après, ouais, ouais, ça. Je, je trouve que ce qui est aussi pas mal, c'est le fait que ça aborde des thèmes qui sont assez durs quand même. il enfin, y, y a des morts assez violentes, il y a des scènes assez violentes, la scène où elle se fait embarquer dans la camionnette. Oui. Euh, clairement, l'allégorie de, de, on t'embarque pour te faire des choses qui sont pas forcément un sacrifice. Voilà, la métaphore est pas, est pas hyper lourde, quoi. Enfin. Et à peine caché. Euh, et c'est plutôt bien joué, plutôt bien réalisé. Après, comme je le disais, sa ça, bah, ça peine allait au fond de son propos, je pense, que ça aurait pu être un poil plus subversif et un poil plus violent. Fiel, ça reste assez gentillet pour avoir une fin. Bah, on parlait du fait qu'il a écrit Lisa Frankenstein et qu'il a le même genre de, de, de défaut où le film est intéressant mais réussit jamais à s'envoler totalement et finit, euh, finit un peu en ligne droite. Et bah là, ce que j'ai ressenti, surtout que la fin est un peu teasée par l'ouverture. Mais voilà, je trouve qu'il n'a pas de gros défaut, mais que euh, la récupération du film pour ce, son imagerie et ses thématiques est peut-être un peu abusive sur le terme, <laughs> sur le long terme. Je pense que voilà, maintenant, euh, le film sortirait aujourd'hui, il, il aurait clairement une bio de Billy Eilish de bout en bout. Oui, clairement. <laughs> il y a <laughs> zéro doute. Oui, oui. <laughs> Mais... Mais là, c'était Fallout ben. Boy. Mais là, voilà, c'était ouais. Boy. Ouais. <laughs> bah, du coup, il y avait double argument pour ça Luc. Ah, oui il y va. avait tout il ouais, y avait tout pour moi. Tout. Euh, Luc est la petite mèche. Ah, ouais, bah oui. Bien sûr, il l'a toujours, Luc, regarde En ah, ah, ouais, 2024, la mèche, il l'a toujours à Ça ne change pas. Les choses... Il y a des choses qui la de ne changent jamais. Alors, en résumé j'ai trouvé ça l'intention et la forme plutôt bonne mais, euh, mais j'ai été déçu de la hype qui a été montée sur le film avec les années quoi j'ai pas retrouvé ce que je m'attendais à voir quoi. Déçu, Manu se retrouve ce soir. Alors, euh, suite au succès de Juno, la Fox a acheté directement, en fait, dans le flow, le, la prochaine prod de Jason Tretman et Diablo Cody, euh, dont ils ne savaient pas le, quel sujet directement ils allaient parler. Donc, euh, ils mettent directement sur les rails le, le projet du film. Euh, et en fait, ils avaient déjà l'idée de faire de l'empowerment euh, féminin et la complexité, ils voulaient parler de la complexité justement des, des amitiés féminines euh, en étant adolescente et jeune adulte Alors, on, on, en fait, le, le film, on verra par sa réception, sera directement en fait comparé à un autre film. C'est celui de John Fassett Ginger Snaps, qui était sorti en 2000 et qui était en fait aussi un film culte des années 2000 avec euh, avec deux euh, on va dire deux, deux weirdos qui sont un peu rejetés et en a une des deux qui devient qui devient une, une loup-garou en fait. Et, euh, et c'est à peu près la même, le même schéma en fait. Et pour le coup, en fait, le film a été aussi bâché. Euh, pour, euh, pour sa ressemblance à fait, en fait avec ce, ce film Ginger Snaps euh, Karine Kuzama, elle euh, après la, la grosse claque de la production euh, Iron Flux voilà, je, je le dis encore en allemand mais c'est un plaisir euh, en fait elle va signer directement, parce qu'elle trouve que le sujet est incroyable elle va signer directement pour le poste de réalisatrice alors faut savoir aussi le titre du film fait référence au, au titre de la chanson Jennifer's Body du groupe, euh, du groupe Doll euh, de Courtney Love et euh, la direction du, du film en fait voulait euh, prendre celle aussi de c'est un film occulte. Moi je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un film qui revient souvent euh, dans les films euh, oubliés la fin des années 80-90. C'est Easers avec euh, Winona Ryder oui. et euh, Christian Slater. Ouais. Et, en fait, pas mal, ouais. ils voulaient ouais. reprendre un peu ces, cette, cette vibe là en fait pour euh, pour le, le, le film. Alors un petit truc assez drôle, c'est vis-à-vis du casting, on a failli avoir pire que ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que Adam Brody, donc, qui, est, euh, qui avait récupéré le, le rôle de Nikolai, donc le, le, le leader du groupe de rock, chanteur, ouais. voilà le chanteur, le lead singer. En fait, on aurait pu avoir. Alors attention, Chad Michael Murray, donc ah, le, ouais, le, ouais, le, le, lead, le lead, de, de One Tree Hill, et aussi on aurait pu avoir donc, du coup le bassiste de fallout Out Boy, euh, Pete Vance, qui aurait pu oui, reprendre oui. son, voilà, voilà, ce son ça. Voilà, remplir ça. Ça aurait été incroyable. D'ailleurs, il, il a une petite carrière d'acteur, lui, à mm. Pitouen. Oui, oui, oui. Fait, oui. Mais... Bon, il a fait des séries, beaucoup de séries, beaucoup de caméos beaucoup de... Ouais. Et un peu de films, mais ouais. c'est Après, Adam Brody, il sortait de Newport Beach. Hein, donc, oui, c'est ça, oui. C'est comme si vous savez même pas d'où il sortait, lui. Tu vois. Ah, oui, c'est un acteur de série à fond. Ah, je ne connais pas ça. Ah, ouais, non, mais Mathieu m'a dit la même chose. faut que tu dit aussi un jour. faut que tu dit aussi qu'on en parle. Bah oui. Ah, j'ai metté trois fois vu aussi. Écoute, on viendra et puis on regardera aussi et voilà, c'est tout. J'ai metté trois fois. Je sais plus d'ailleurs qui c'est qui m'emmerdait avec Country, c'est pas toi Luc là, non, c'est pas toi. Bah si tout le temps. Bah si, si c'est toi. Bah aussi les frères Scott, bien sûr, c'est C'est les couilles depuis des années Country, en plus c'est pas si mal et tout. Bah si, les frères Scott, c'est très bien. J'ai pas revu ça depuis la première diff tf 1 je sais pas si ça a bien vieilli One Tree c'est les c'est les Soprano du lycée quoi. Voilà, c'est génial. Le Soprano de Batman. Soprano. un mec il ouais, y, y a un mec, il y a un mec qui meurt dans la série parce qu'il euh, voulait avoir une transplantation du cœur et son cœur se fait bouffer par un chien dans l'hôpital. Oui, c'est Incroyable. Il avait il avait tué son voilà. frère, alors il méritait. Voilà, genre de choses quand même. Bah ouais, oui, ouais. c'est incroyable. Ah oui. Je suis désolé. Moi ouais, la magie. Des mais, mais, est 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 cette scène. Si je vous écoute tous, il faudrait que je voisis aussi un entier, One Hill en entier, Riverdale en entier. Et en vrai. Alors. Marvin, tu veux Riverdale, personne me dises Riverdale. tu veux que tu oui, c'est oui, si, si, toi, oh, mais si, ça, si, fait... toi Vesper. ça fait des années ça Mais fait oui. des années qu'elle me le dit, ok, un euh, voilà, jour Voilà, pour moi, euh, One <laughs> Thrill pour Un euh, Ah non, je ferai le tour ah, Voilà Le voilà, voilà, tour de vois, France Riverdale pour regarder pas, les séries Pari, eh. ouais, Riverdale, <laughs> nous, et puis après je viendrai voir Z aussi, je finirai par One Thrill et puis, Riverdale, le Twin Peaks pour ados Ah oui, ouais. ouais, ouais, c'est ça que ouais, ouais, ça. vendu Et t'as vu Je l'ai pas lancé sans toi, j'ai rien fait Mais merci, merci J'attends le moment béni où tu viendras chez moi et on sortera à Riverdale Non, je provoque pas le fait qu'il arrive trop vite non plus hein mais euh, euh, bah reste en savoir reste en savoir c'est bien ouais. hein. Ah je suis trop loin là ah, <laughs> je peux dur. pas je peux pas c'est <laughs> dommage Et on peut pas faire de watch party <laughs> sur Netflix c'est nul oh, Ah oui ouais c'est Oh non. mais j'ai pas faut la, la full expérience moi je veux pas qu'il souffre euh, comme ça tu vois seul ouais ouais d'accord je comprends je vois, le truc Ok, alors Lourd. Megan Fox Merci. elle elle a, elle a accepté le rôle car elle trouvait le ton du film en décalage avec les justement les Transformers de Michael Bay. Euh, pour se préparer au film elle a perdu une taille et ne s'est pas exposée au soleil pendant un mois. Elle croyait énormément en Projet, wow. elle a littéralement fait une dépression une en fait, après la réception <laughs> du film. Christian May Ah ouais, un petit peu, ouais. Euh, ou Tahir, euh, celui qui joue Aznavour, là, Je sais, je, Tahir Ram, celui qui joue Charles Aznavour. Ah, Rahim ah, Un, ah, ah, deux, trois syllabes près, t'étais là Ah j'étais pas mal, j'étais pas mal, je trouve que j'étais plutôt... Je, je me mettrais un 3 ah, sur 5. mais bon, ça sonne pas comme le gonilec, c'est sûr. Mais... <laughs> ah oui, tout de suite, c'est okay. un peu moins bien, okay. tu vois Megan Fox, mmh. elle croyait énormément au projet, donc elle a fait une dépression, en fait, après la réception du film, qui était complètement désastreuse. Et, euh, et la vente, en plus, voilà, enfin, le fait qu'elle n'a pas apprécié que la, la Fox avait vendu, en fait, son cul euh, dans la continuité, en fait, de ce qu'avait qu euh, fait Michael Bay, en fait. Michael Bay, aussi, l'avait ouais. transformé en produit, justement, euh, sexué comme ça, quoi. et oh, euh, les livres. Voilà, ouais, ouais, bah, voilà c'est comme ça. Et, et la, ça va la, la pousser... Et ça va la pousser justement à arrêter le cinéma pendant quelques temps euh, et puis pas mal de pas mal d'événements. Et elle était d'ailleurs saoulée par rapport au système puisque selon elle, elle, est une, elle était une des premières à call out et à rembarrer le patriarcat euh, dans le système hollywoodien. Et alors qu'elle a été humiliée et pour ça maintenant, bah elle a un peu euh, voilà, que ce soit un discours mainstream, elle a, elle a un peu la rage vis-à-vis -vis de ça. Euh, mais pour elle, ce film c'est le meilleur de sa filmo, euh, sachant qu'en plus, alors petit fun fact, euh, ça vient de ça vient de Marie Clémentine, mais en même temps j'ai revérifié. Euh, le euh, le kissing guitariste... sur sa meuf ah ouais, même. Bah, non 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 en tant que membre qui c'est mieux tu vois genre ah mais on est... et si on ne déconne pas on ne déconne pas mais c'est vrai que euh, euh, machine gun Kelly en fait qui est un, un, un ouais. en gros des, des artistes influents de la on va dire de la ouais. re nouveau punk en fait est euh, marié avec Megan Fox et en fait il est tombé... ils sont plus ensemble je crois ah, Reste, reste dans l'histoire que c'était avant. Euh, <laughs> en fait, il, il est tombé complètement en red dingue de, de Megan Fox au moment où il avait vu, vu le film, quand il était jeune, justement. Et donc, il s'est dit euh, que je me mets un peu comme elle. Luc. Hein. Voilà, un petit peu, c'est ça. Mais de ce trivia de, 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 Pour vous dire à quel point c'était vraiment un couple de gros blaireaux, là. Ils s'étaient fait cette fameuse alliance. Vous savez, pour se marier, ils s'étaient fait chacun une alliance. Et genre, tu pouvais pas l'enlever sans te, sans te faire une énorme coupure au doigt. Un truc comme ça. Non, mais oui. Non mais... Et je crois qu'ils sont plus ensemble. Du coup, je pense qu'elle a coupé son doigt. Ah, mais, mais je sais plus. Euh... Ouais, J'ai un, un doute maintenant que tu le dis en matière de people. Là. Ouais, Machine Gun non, Kelly, c'était un ah. type. Alors, c'est un produit P.D.D., Il hein, faut le dire. Hein, voilà, ah. C'est un, un type qui sort de chez P.D.D. Parce qu'à la base, c'est un mec qui fait du hip-hop. Hein, c'était un espèce oui. de. De, de post-Eminem, enfin plus ou moins, hein, et euh, qui s'est re recyclé parce que bah, sa carrière n'a jamais décollé dans le, plus ou moins le pop-punk, euh, mais le pop-punk, on va dire, euh, moderne, c'est-à-dire oui. euh, le hip-hop-punk, en fait. <laughs> ouais, voilà, Donc, euh, ouais, ça. Euh, voilà, Et il a fait des albums qui ont fonctionné, en, en tout cas, au moins un dans ce registre. -là. Ouais, mais ça a cartonné. Optimal, hein, bah, euh, d'ailleurs. Ouais. Hein, non. non, non, bah, vrai. Connaissait le mec mais, uniquement parce c'était le mec de Megan Fox. Mais c'est un type euh, qui a l'air absolument euh, détestable, par contre. Ouais. Hein. Enfin, un peu con, oui, clairement. on peut dire, oui, oui, ouais, clairement. Il devait avoir au moins 15 ans de moins qu'elle, là, ou 10 de moins non que bah il... pas beaucoup parce il est vachement mais non il est de 92 lui hein. il est de 92 ah, ouais. mais euh... après Megan Fox elle non. est pas vieille hein. on est en train de lui dire qu'elle a 50 ans oui, mais non, mais... à... non c'est pas ça c'est juste que vu que sa carrière n'a est... pas existé il est de 90 dit... ouais voilà 90 ouais. mais euh, voilà ouais, il a ouais, à enfin, peu près le même âge que. Enfin, il, il a presque l'âge que Luke il est l'âge de Luke tu il est dans la dans la promo d'Universe quoi bah bien sûr mais bien sûr mais je le comprends je le comprends un peu tu vois dans sa psychologie ils se sont séparés apparemment au mois de mars ah bah Trop récent euh, voilà. pour récent donc, ouais, la... On n'est l'alliance. Euh... Voilà. J'avais arrêté TikTok, donc j'ai pas pu suivre Mais ouais, les non, non, Mais <laughs> je me suis dit, forcément, il devait être séparé parce qu'elle a changé de couleur de cheveux. Mais en fait, à ce moi, je l'ai su, je su ah, parce attends, que. Attends, du coup, c'est de méta. C'est de méta. C'est-à-dire qu'elle change de couleur de cheveux à chaque fois qu'elle se Ouais, qu c'est ça. Arrive. Non, non, ah, mais alors, je l'ai oui, su. Je l'ai su parce qu'en fait, ce mec-là, il a passer la, sa vie à essayer de supplanter Eminem juste tu sais, en tant que rappeur blanc aux États-Unis et que du coup, il passe littéralement sa vie à se faire bully par Eminem dans toutes les distracts possibles. Donc euh, forcément, j'ai dû voir passer euh, des vannes sur leur séparation au moment où c'est arrivé mmh. parce qu'ils ont tous dû y tomber dessus. Voilà. Ok, 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 ok. Incroyable. Il a essayé, il a essayé toute sa, là après sa deuxième partie de carrière à essayer de supplanter Blink 182, mais ça oui, parvient bah aussi bah, non plus. Il supplantera pas grand monde. Euh, après, il a supplanté Luc Le Gonidec euh, ah, avec il... le Gen Fox, ah, mais, euh, pas mal. C'est dur, c'est dur, coup dur pour le joueur français, <laughs> coup dur. Allez Vesper de ton hein. côté. Bon, <laughs> mec, là j'ai mal, là j'ai vraiment là j'ai la jambe est qui dur. est comment, comment enchaîner alors que que, que Luc est meurtri à ce point-là ah, ouais, Le cœur en déchirure. Quoi. <laughs> que je suis en train de préparer fièrement tous les matins à la salle, <laughs> ah, regardez Shrek à ah, Lucas -shape, shape. Quoi, bon, alors ouais, euh, Jennifer's Body, euh, je ne l'avais pas vu à l'époque euh, pour le coup. Alors, moi j'étais évidemment aussi attiré par l'affiche, comme beaucoup de monde, euh, mais je n'y suis pas allé car, euh, comme on m'avait dit que c'était un peu associé à un film d'horreur, j'avais peur que ça fasse peur et du coup, je n'ai pas vu. <laughs> voilà. Parce que évidemment, je shoote un jour, je shoote toujours. Euh, j'étais déjà, euh, voilà, j'étais déjà comme ça en 2009. Euh, et puis les années, euh, les années ont passé et j'étais juste resté sur le fait que euh, ça avait bidé et c'est tout. Et c'est vrai que, euh, bah voilà, hein, au fur et à mesure euh, des, des années, le, le discours autour du, du film euh, a commencé à changer, euh, notamment parce que je me sens obligé de la citer quand même de Merakchi, euh, alias Jack Parker, qui parle, qui parle du film. Euh, à peu près un jour sur deux, euh, car c'est vraiment son film préféré, et elle le défend, elle le défend énormément, mmh. et je pense que c'est peut-être une de ses prises d'opposition euh, qui m'a fait me dire euh, ah tiens peut-être que peut-être qu'il serait temps que je lui mette. Donc en fait j'ai découvert pour la première fois il y a quelques années, mais au final ça reste euh, fin, ça reste assez récent on va dire par rapport à par rapport à 2009. Donc quand je le regarde comme Manu j'ai conscience de du discours qui a qui a autour, donc mes attentes sont un peu euh, sont un peu sont un peu différentes. Et, euh, et c'est vrai que pour me remettre dans la dans le mindset d'un Luke de 2009 euh, <laughs> qui se dit euh, bah voilà je viens enfin je viens pour voir euh, pour voir Megan Fox en jupette sur euh, sur, euh, sur son pupitre euh, je comprends que ça te perturbe parce que vraiment je je me rappelle pour le coup vraiment aussi du, du, du marketing de se dire ok c'est vraiment c'est des scènes de Megan Fox qui marche au ralenti avec oui, des oui. jeans taille basse et euh, le, enfin, c'était même vendu euh, comme ça de il euh, y a un baiser entre euh, Amanda Seyfried et, euh, et Megan Fox. Donc euh, j'étais j'étais vraiment euh, voilà j'étais vraiment restée là-dessus donc j'étais assez euh, j'étais assez euh, curieuse et c'est vrai que euh, bah, en fait si tu regardes ce film en espérant trouver un peu du male gaze pour dire des, pour dire des gros mots euh, bah, tu te rends compte que tous les mecs dedans sont nuls à chier ouais. donc euh, soit ils sont inintéressants ils durent 30 secondes D'ailleurs, bel hommage en parlant de mec mec nulachier, il y a Chris Pratt dedans. Oui, a une euh... tu... ouais, apparition. Il y a ouais, ouais, ouais. probablement un là. rôle de composition pour le coup là. Ah oui, ouais, Exactement. Clairement. Le plus proche vieux, de sa vraie personnalité. Vieux oui. gars, vieux joke, vieux joke. Ouais. Nul à... Et euh... et ouais, c'est vrai que bah voilà, tous les mecs tous les mecs sont des ou des donc euh, ou des victimes ou des, des, des... Enfin, insignifiants, ils ont peu de temps d'écran ou alors c'est le bah, voilà un peu le, le le enfin pas le mal incarné mais oui enfin le groupe euh le groupe le groupe de musique mais c'est vrai que bah en fait c'est ça le film m'a donné ce que j'attendais de lui post, post discours c'est à dire que bah ça ça parle de d'amitié voire plus euh, entre euh, entre, ce entre, entre femmes voilà ce sont très bonnes amies euh, <laughs> entre femmes de euh, voilà là c'est la sexualité de de, de de plein de choses de bah oui la fin la fin de l'adolescence enfin, c'est que des thématiques qui à chaque fois m'intéressent et comme euh, j'ai plus l'habitude de les retrouver dans des Parf... pas toujours dans des films bien écrits ou alors dans des voilà des des, des, teen, des teen movies euh, pas toujours euh, voilà pas, pas toujours incroyables de le voir là avec euh, comme tu dis Manu des répliques un peu cinglantes enfin euh, c'est con mais des films où ça <laughs> des films où les meufs parlent de tampons, il y en a pas beaucoup et il y en avait encore moins en 2009 <laughs> ah ça va ça va se compter sur la d'une main ouais. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus répandu, mais c'est vrai que ce, ce film, s'il était sorti maintenant avec un petit filtre arty euh, label A24, <laughs> ça, ça aurait fait un carton de ouf. Enfin, ah, tout il tout oui, est oui, sorti euh, labellisé Fox Searchlight à ce moment-là, c'était oui. un peu pareil. Ouais. Non, mais tu, ouais. tu, vois ouais, ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire. Le film, en changeant très peu de choses, euh, il sortait là, il n'avait pas du tout la même réception. Donc c'est vrai que. Là, on est. Enfin, euh, tu, tu disais, Luc, euh, par rapport à Megan Fox, qui effectivement euh, avait ouvert sa bouche euh, à raison euh, il y a longtemps pour dénoncer euh, tout, le, tout le traitement qu'elle avait subi, ça, euh, on est euh, des années avant euh, MeToo et euh, où les gens, on va dire, on fait semblant de réfléchir, réfléchir vraiment, c'est encore autre chose, mais où les gens faisaient au moins semblant de réfléchir euh, là-dessus. Donc c'est vrai que voir une, une histoire euh, qui parle de vengeance, on va dire le rape et une revenge, mais où le rape n'est pas pas vraiment ça quoi. Ouais, sacrifice, non, euh, Et puis c'est rigolo parce que ce sacrifice démoniaque, ça fait aussi euh, ça, ça, ça fait, euh, une évocation. Je une sais pas aussi. si rigolo c'est bon terme, mais... Non, non, non mais, fait... une... <laughs> mais c'est un foutage de gueule, c'est une évocation oui. aussi sur euh, le, le, la musique et le sacrifice sataniste et de, de, de sacrifier oui, oui, oui. une vierge pour avoir le succès et tout, c'est un oui. truc aussi ouais, euh, là-dessus. Et, euh, euh... et en Quand vrai... Ils se enfin... mettent à chanter au moment du sacrifice. En fait. <laughs> <Oui. rire> c'est débile. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que le film est ultra camp, comme on dit. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est, il y, y a des, il des moments qui sont vraiment à, à, à crever de rire, quoi. Et, euh, et ouais, donc bah en fait, ouais, je, je kiffe, je kiffe le film. Et c'est vrai que même les scènes qu'on voyait à l'époque euh, de la, de la bande-annonce avec Megan Fox en couloir et tout, tu, même en les replaçant dans leur contexte, en fait, tu les perçois un peu différemment. Même le, même le baiser entre les deux, euh, Cratus, tu sens ouais. que c'est plus, ouais. tu vois plus, en fait, comme tout le film est quasiment du point de vue de, d'Amanda Seyfried, de Nidhi euh, tu, tu perçois un peu différemment tu perçois plus elle sa, sa confusion et enfin un peu le voilà tu vois qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête euh, plus que ah regardez il euh, y a deux les deux meufs bonnes sont en train de se rouler des galoches quoi tu sens qu'il y a quand même un il y a un truc un peu plus profond euh, un peu plus profond derrière ça et, et voilà Megan Fox dans le couloir c'est juste pour te pour te faire justement le le appuyer sur le changement euh, avant qu'elle ait bouffé quelqu'un et après qu'elle ait bouffé quelqu'un euh, pour montrer un peu son son globe physique même si encore une fois ça reste Megan Fox euh, même eux le disent dans le dans le film c'est genre euh, moche par rapport à elle quoi quand elle qu'elle est, qu est moche <laughs> oui quand, quand euh... elle enfin euh, quand c'est entre guillemets le, le, le la métaphore du cycle c'est avant quoi. les règles oui. où elle, est, elle est en train de douiller euh, ouais ouais c'est oui ouais, voilà et c'est vrai que les, les... enfin il y a des voilà il y a des répliques moi les, les... <laughs> le je veux dire le SPM enfin le syndrome prémenstruel c'est un truc inventé euh, par les euh, par les mecs pour euh, pour nous taxer d'hystérique, moi c'est moi je vis pour ce genre de je vis pour ce genre de réplique. Tu vois. Donc, <laughs> tu, tu me rajoutes tu me rajoutes tout ça. Il y a le mec à l'époque en plus de euh, Véronica Mars qui se fait bouffer. Enfin de moi il y a des trucs qui se passent et même le, le côté wow. euh, on le voit là le le bah, le groupe qui justement euh, euh, fait une chanson euh, pour euh, pour les victimes et on sait que c'est oui. des gros cons avant même de savoir <laughs> ce qui s'est passé pour de vrai mais vont qui croire qu'ils ont sauvé tout le monde et on sait que c'est des gros cons et ils font euh, et tout le monde dira oh, ils sont extrêmement généreux et re reversent 3% des dons euh, euh, aux familles des victimes c'est c'est un, une vanne qui repasse encore maintenant euh, sans aucun sans aucun problème et qui, qui vieillit pas quoi donc voilà c'est un, un peu rajouter tout tout ça au cumulé moi j'ai énormément de énormément de sympathie pour le pour le film comme toi manu je pense que il aurait peut-être mérité d'aller un peu plus loin je trouve que les, les scènes euh, Gore, avec des guillemets à gore. Euh, limite j'en veux plus. enfin la scène, les scènes euh, vraiment le vomi, euh, le vomi noir ou les trucs, euh, ah oui, oui. Les trucs comme ça. Euh, euh, limite, ouais j'ai en, envie que ça aille un peu plus loin et c'est moi qui dis ça, donc c'est dire à quel point... Euh, voilà, c'est... <laughs> C'est dingue. Alors mais, tu, euh... tu vas voir bientôt The Substance et je pense que tu vas peut-être changer ça va de être être Tu vas être là. Oh bon, oh, je 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 ça. pourquoi tu fais ça Mélissa parce que je suis, suis curieux, j'ai envie de soutenir mais je suis Elle va ça soutenir ça. le cinéma de genre américain, franco-américain, britannique. <laughs> ouais, ouais. Je soutiens. Non mais juste le propos m'intéresse, justement en vrai ce qui me pousse à kiffer enfin ce qui me fait kiffer Dune Jennifer's Body, c'est ce qui me pousse aussi à aller voir un film qui enfin euh, comme comme The, comme the suspense, euh, Substance quoi. Donc, euh, donc voilà donc en vrai moi ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le film et euh, j'aime beaucoup ses répliques et j'aime beaucoup plein de choses hein. c'est pas euh... enfin je, je, je suis contente de savoir qu'il a quand même une deuxième euh, une oui, deuxième, deuxième exploitation de hype, quoi euh, voilà, voilà ça au fur et à mesure en se disant bah voilà c'est un peu le c'est un peu le film féministe qui s'est fait qui s'est fait bouder avant l'heure alors après féministe tu mets curseur, curseur ah <laughs> oui jeu, bah. mais... <laughs> alors c'est ça le truc aussi quoi oui. voilà mais euh, mais en attendant j'ai vu autant de gens dire euh, oui euh, c'est justement euh, elles sont trop sexualisées que dire non elles sont pas vraiment sexualisées qui le perçoivent de manière totalement différente. Donc à la rigueur, euh, si des gens ont envie de voir, bah euh, ben, voilà, si des meufs ont envie de voir ça un peu, un peu différemment, euh, laissons-les quoi. Non, clairement. Ouais. Et puis maintenant, le fait qu'il y a une seconde lecture, c'est vrai qu'on on remarque effectivement que Megan Fox, quand il y a ces scènes où elle est en mode euh, entre guillemets turbo bonasse, c'est vraiment aussi euh, très appuyé, mais c'est quasiment aussi euh, du foutage de gueule vis-à-vis -vis de, de comment on la vendait aussi sur euh, sur Transformers, quoi. Et non, mais c'est ça. Et que, comme tu dis, c'est ça qui fait qu'elle a accepté, euh, qu'elle a oui, accepté voilà. aussi de rejouer euh, de son la physique bimbo. façon, ouais, façon ouais. De parler, euh, voilà pour euh, pour euh, pour ça et même. Euh, et même Amanda, Amanda Seyfried, euh, voilà, enfin à qui on fait une une princesse d'Ayahris, on lui met des lunettes et elle a moche. Euh, est mais mais bon, je donc je, je comprends je comprends la je comprends la déception euh, de d'une une grande partie du public à l'époque, mais c'est vrai qu'il mérite il mérite, euh, mérite d'être quand même revu, enfin euh, découvert, euh, voire revu maintenant quoi ouais c'est clair euh, alors juste un petit point chiffre donc c'est vrai que j'avais dit donc le budget de 16 millions de dollars et le film s'est planté il a rapporté que 31 millions au box office mondial dont 16 aux états unis donc en fait finalement les producteurs ont pas trop, trop, trop retrouver leurs sous en, en France. Le film il a fait que 320 000 euh, places vendues, euh, ce qui est extrêmement peu à l'époque. Euh, le film donc est devenu, bon, on l'a expliqué, mais est devenu culte au fur et à mesure du temps. Plusieurs analyses ont montré que le film était en avance sur son temps et probablement pas accepté par le fait que le film était réalisé aussi par des femmes à l'époque. Euh, D'ailleurs, Criterion Collection, hein, toujours eux, hein, toujours sur les bons coups, ils, sont ils fait, ont Armageddon euh... et Jennifer, <laughs> bah, bien sûr, bah, côte à côte. Euh, ils l'ont <laughs> sorti sur leur service de streaming en 2021. Il y a même eu une comédie musicale euh, qui a été créée il y a un an. Euh, J'ai vu l'Instagram, ça oh me fait rire. C'est Jennifer's Body, The Unauthorized Musical from Elle. <laughs> Donc vraiment un truc sans les droits, mais mais euh, bon voilà c'est drôle de voir aussi ce genre de projet se faire autour du, du film il euh, y a aussi un roman graphique qui a été développé conjointement avec la prod du film d'ailleurs euh, qui était designé par Rick Spears donc Spire. tu dis roman graphique d'accord oh, oui, oui, oui. Bah, c'est comme ça que c'est expliqué <laughs> c'est pas aspect comics ouais, 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 c'est roman ouais, ouais. graphique donc je reprends <laughs> les mots <rire> effectivement <rire> et <rire> une série télé <laughs> a été aussi souhaitée et réfléchie <laughs> entre euh, Diablo, Cody et, et Megan Fox mais euh, je pense que ça fera un projet de suite mais, hein. le manger... oui un projet de suite aussi ouais, tout à fait ouais. euh, voilà pour, pour les fun facts euh, Marvin pour finir sur Jennifer's Body. Euh, je sais pas trop en fait. Euh... Ah ouais mais je suis comme toi. Suis hein. vachement... Ah non non je suis vachement embêté parce que euh... moi je l'ai pas vu le film à l'époque parce que tu vois... T'as 20 ans, t'es un peu con, tu vois. Donc tu te dis déjà que la Megan Fox Potation, t'en peux plus, tu vois. Tu vas voir 2001, t'as pas le temps de... <rire> 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 ah non, parce que, que lui, il temps. avait déjà vu Mulholland Drive quand il vu à toujours... ou pas, non, ah, non, pas non, non, je n'ai pas encore non, découvert le, le David Lynch. Mais j'ai toujours été plus mature que lui, et puis je suis plus vieux aussi. <rire> euh, <rire> ça, oui, t'es oui, plus mature, mature parce que t'es plus vieux, peut-être, c'est ça aussi. Il y a plus de sagesse déjà, à 20 ans, j'étais déjà plus sage. Donc non, non, je l'ai pas vu à l'époque, et là, je l'ai découvert là, et... Et, et j'étais à la fois plutôt hypé parce que j'entends des trucs très positifs sur le film, et puis en même temps, je vous cache pas que j'ai toujours cette petite peur en période de réhabilitation folle systématique de me dire euh, peut-être qu'il y a certaines communautés, notamment autour de l'horreur du genre, si vous préférez, qui ont tendance en... à vivre dans la réhabilitation de projets un poil médiocre, quoi. Tu vois, je, me dis, je vois le film et je me dis que c'est peut-être un peu le cas quand même euh, parce que j'ai pas trouvé ça bien. Euh, mais j'ai pas trouvé ça nul. Là, je vais vraiment être. Euh, ça va être compliqué. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Bienvenue dans, vous... bien bien dans mon monde. Bienvenue dans vais... mon monde. Non, non. Je vais répéter 60 fois avant que vous commenciez à m'envoyer des DM et des choses comme ça, que ça n'engage que moi, etc. Tout ça. Je ne suis pas en train de vous attaquer personnellement. Voilà, tout va bien. Se Marvite, passer. Marvin, connard euh, Parce que j'ai pas trouvé ça bien. Donc, je suis sur le champ de mine et j'y vais, j'avance. Et, euh, et donc, déjà, on va commencer par. Ouais, j'ai compris, en tout cas, la manière d'aborder les thématiques et j'ai trouvé ça. Peut-être malin. C'était pas facile pour moi d'empathiser avec deux personnages que je trouve finalement assez horribles, hein, les deux personnages principaux. Euh, Megan Fox, d'un côté, qui est euh, un personnage horrible avant sa transformation. Hein. Je veux dire, en tout cas, le trope de l'ami toxique, euh, qu'on a peut-être tous eu, ou que, que peut-être certains ont encore, ça peut peut-être vous ouvrir les yeux, allez savoir. Et, euh, et de, et de l'autre côté, on a Amanda Seyfried. Euh, qui est, oui, effectivement, euh, l'autre, euh, l'autre part de cette amitié toxique, un petit peu écrasée, etc., mais qui en même temps, bon, dégage un truc un peu bizarre par instant, je trouve. Euh... C'est-à-dire qu'elle a ce côté un poil jaloux de son ami, et puis elle finit quand même par la laisser se faire embarquer par des mecs bizarres dans un van. Tu vois. Donc, on peut aussi placer un, un message de... Hein, on, peut, on peut passer un, un grand message de prévention. Faites attention à vos amis quand vous sortez. Voilà, le film est un, est un bon message là-dessus, c'est important, c'est la base. Et puis euh, voilà. Ne laissez bon, pas vos amis sous monter dans les voilà. vannes Ne le pas, même si vous êtes un peu jaloux d'eux, les laissez pas partir dans des vannes avec des gens bizarres sans rien faire et rentrer chez vous après comme si de rien n'était. Faites pas ça, c'est pas cool. Donc, euh, finalement, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive au moins à tous les persos, c'est plus ou moins quelque chose de pas loin d'être mérité. Tu vois, je veux dire, bon, euh, voilà, je pense qu'il y a quand même une justification à tout ce qui se passe. Euh, Manu, tout à l'heure, je voyais qu'il écrivait dans le chat qu'il était plutôt team Amanda Seyfried Amanda Seyfried donc, qui a ses lunettes, qui a la, le trop à uh, Baslerman dans Ballroom Dancing, hein, pour ceux qui savent, voilà. c'est-à-dire que t'enlèves tes lunettes, tu deviens une autre personne. C'est probablement le cas. Moi aussi, je serais plutôt team Amanda frite parce que là, je vais commencer à rentrer dans le champ de mine Parce que t'as des que lunettes que aussi, c'est un ça problème qu'on n'a pas signalé chez Megan Fuss, c'est que c'est une actrice cataclysmique. Et c'est un problème, quand ah, oui, même, oui. parce qu'elle est vraiment très, très mauvaise. Et euh, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour elle, c'est compliqué, je trouve. Vraiment, ça n'aide pas du tout à empathiser autour de son perso. Donc, euh, je pense que euh, oui, la pauvre, sa carrière l'a pas aidé parce que Patriarcat, parce que Michael Bay, etc. Mais il faut avouer que bon alors, on m'a vendu Jennifer's Body comme étant un peu le pic de sa carrière dramatique, c'est pas facile quand même. Euh, donc je sais pas. D'après, c'est peut-être pas sa faute non plus parce qu'il faut voir par qui elle est dirigée, c'est pas évident. Hein. Euh... Donc il y a déjà ça, mais en tout cas en termes de thématique ça va et, et je suis un peu d'accord avec vous sur le fait que le film bah il est un peu mollasson en fait c'est très embêtant je pensais pas pouvoir dire ça un jour mais je me retrouve à comparer Jennifer's Body avec Independence Day dans le sens où je, ressemble... où je ressens la même chose tu sais genre je vois des idées je vois des trucs mais dans l'exécution c'est malheureusement c'est ça, ça tombe toujours à côté c'est dommage tu vois ah, le film, déjà, il est pas assez méchant, en fait. Il, moi, je m'attendais moi, à quelque chose de... Tu vois, rien que le fait que tous les mecs qui soient attaqués soient présentés comme des, des, des victimes faiblardes, je trouve ça nul, tu vois. Genre, dans le sens, les mecs sont même pas malfaisants dans ce film, à part le groupe en question, mais sinon, c'est juste des pauvres types qui sont là, qui, qui chouinent et qui se font manger. Et je sais pas, tu vois, quitte à faire un rep and revenge pour ado. Va, je sais pas, va jusqu'au bout, monte-les comme les gros cons qui sont, c'est pas grave, tu vois. Et j'ai trouvé vraiment que les mecs, étaient les présentaient de manière presque... Tu vois, presque pathétique. sympa, en fait. Oh, euh, oui, oui, pour... oui. Ouais, mais, ouais, mais pathétique, mais sympa, tu vois. Genre, ils, ont pas... ouais, ils sont là, ils sont, ils sont tellement nuls qu'ils méritent finalement de mourir. Bon, des <laughs> fois, on n'en est pas loin, parce que Chip, il est tellement nul que tu dis que tout ce qui lui arrive, c'est probablement mérité, tu vois. Mais Et je sais pas, il n'y a pas de... Voilà, on lui rend presque service quoi. Et tu vois, elle s'attaque qu'à des, qu des mecs super. Euh, je, je, je sais pas, je, je pas trop. Voilà. Des, flancs, comme, euh... des flancs, des flancs, voilà. ouais, des, des flancs. Ouais, des flancs. Le seul mec qui peut être présenté comme ouvertement malfaisant en dehors du groupe et encore ouvertement malfaisant ce serait Chris Pratt et lui, finalement, il lui arrive à rien. Tu vois, ce qui est un peu dommage. Il mmh, meurt bon oui. dans bah, J'étais pas, pas sûr du coup. Ouais, mais après, possible. elle disait elle... Non, mais plus tard, elle dit qu'elle sort avec un futur flic, donc euh, il est pas mort en fait. Non, qu'elle est sortie. Ah, qu'elle est sortie, d'accord. Ok. Bref, et, ah, alors après ça, je, ouais, mais bon, je, je pense dis, que c'est pas lui. Enfin, je crois qu'ils sont tous vraiment. Je l'ai pas encore hein. dit, mais derrière, il y a Diablo Cody. Et je pense que mine de rien, Diablo Cody, ça n'aide pas à avoir un film qui soit équilibré en termes d'écriture euh, et qui soit toujours très adroit. Hein. Parce que Diablo Cody, voilà, on l'a dit. Euh, quand tu es toi-même, euh, alors pas militante, on va pas aller jusque là, mais quand tu es toi-même ouvertement pro-pro-choice et que tu te retrouves à faire un film qui devient une un véhicule de la propagande euh, pro life, bon, c'est que parfois, euh, quand écris des trucs, euh, même si tu le regrettes aujourd'hui que tu plus jamais des trucs comme ça, bon, tu, tu sais, je veux dire, je pense quand même que on n'est pas... Les curseurs sont pas toujours très très clairs chez elle, tu vois, j'arrive pas à trop à savoir. Bon, ben, enfin, je peux quand pas, on peut quand pas je lui en Juno... vouloir pour de la manière non. dont Juno a été récupéré, tu vois. On peut pas lui en vouloir, mais je pense toujours que quand il y a récupération, toujours. Bah, tu vois, moi quand je vois Juno, moi, moi, moi le premier, j'ai un doute, tu vois. Genre. Ouais, oui, alors. Jou à la rigueur, mais tu vois, il y, y a bien, il y a des gens qui récupèrent Matrix. Enfin, tu vois, tu, si as oui, des gens qui comprennent pas The Boys, donc à la rigueur. Non, je sais bien, mais euh... c'est toujours un peu, un peu gênant. Et je veux dire, bon, au moins après, pas la blâmer pour ça, quoi. ça. Mais je la blâme pas. Je dis juste, oui, oui, c'est la première à s'excuser ouais. et limite mm. à s'excuser, tu vois, et à dire je ouais. referai jamais un truc comme ça aujourd'hui. Ouais. Après, elle justifie quand même en disant qu'au moment où elle l'a écrit, on va dire que le droit à l'avortement c'était un truc qui était assez sécure, tu vois. Ça mm. a changé depuis. Donc, oui. Euh, oui. Voilà. Euh, après elle a quand même écrit Tully, lis, euh, Lisa Frankenstein qui est pareil dans le ton un peu bizarre tu hein. vois. Donc euh, bon, des fois je me pose deux trois questions. Voilà, mais le souci que j'ai avec le film en fait, c'est pas avec ce qu'il raconte du tout hein. c'est sur la vraie question qu'on ne s'est pas posé depuis le début, c'est est-ce que c'est un bon film euh, en soi Bah, je pense pas euh, parce que parce que c'est pas beau déjà, hein, c'est assez terriblement générique. Euh, je sais pas, il y a pas de séquence qui ressort vraiment et en fait, j'ai eu beaucoup de regrets pendant que je regardais le film parce que moi quand je vois cette espèce de truc qui se voudrait être un film d'horreur un peu décalé avec des thématiques différentes parce que Fox Searchlight salut, on fait du signe indépendant mais en fait non enfin tout ça sais pas, ben, moi je pense à Detention tu vois par exemple hein, pour, pour, pour citer oui. l'évidence je pense à des films comme ça qui vont vraiment jusqu'au bout de leur connerie et qui font des tas de trucs visuellement aussi parce que j'en ai besoin en fait pour me raccrocher au film même le Babysitter de maggie tu vois qui est pas une référence absolue mais que je trouve plutôt pas mal et presque plus pertinent esthétiquement que ça et ça c'est vraiment le truc en fait qui m'a ouais complètement sorti du truc assez rapidement c'est que bah, le film, il fait rien, tu vois, le film, il fait rien, il a une esthétique, euh, une esthétique ouais, de son époque, parce qu'il a, il a une cinéaste un peu générique derrière, quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, tu vois, sans lui faire offense, tant pis, mais bon, voilà. Euh... C'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, mais voilà, je veux dire, c'est vrai, tu vois, elle a réalisé Tully euh, et Juno, bon bah oui, c'est sûr, on n'a pas, euh, là, c'est pas Catherine Bichelot, hein, tu vois, je dis pas, mais... Euh... Ah non, elle a pas fait Juno, elle, écrit... elle a Non, euh, elle, a... ouais, elle a écrit, okay. non, c'est Juno Redman, pardon, Juno Redman qui est encore à la... Qui est encore à la prod d'ailleurs dans dans, oui, le oui, film dans, dans les bons coups, John Rittman. Euh, et, et voilà donc voilà moi c'est surtout ça mon problème, c'est qu'on n'en parle jamais dans ce sens-là. Mais bon je pense pas que ce soit un bon film dans le sens où esthétiquement bon bah c'est un peu foireux, quoi. Tu vois esthétiquement c'est foireux, c'est pas très très bien interprété quand même quoi. Tu vois il y a Amanda Seyfried qui surnage heureusement parce que autour c'est chaud. Et, euh, et voilà bon, voilà c'est un film que en fait je veux même pas en dire beaucoup plus parce que pour bon, moi c'est très très anodin. C'est juste un truc. Ça peut pas même même pas m'énerver ou me mettre en colère parce que c'est hyper anodin, hyper ouais générique, voilà. Après, probablement que son discours euh, qu'on trouve euh, peut-être insuffisant ou ou, euh, ou très anodin aujourd'hui. À l'époque, faut pas faut reconnaître qu'il il était probablement déjà un peu un toi, un poil engagé, un petit peu osé. C'est sûr, c'est possible. Bah, fran Après, franchement, enfin. Je vois aujourd'hui oui. moi, tu vois, donc On ça me fait rien, bien, sûr, Ouais, oui, non mais toi parce que tu. Mais mamar, tu vois, tu es, des, tu es un homme déconstruit. Ouf si Twitter. Veux, euh, non mais, ouf Twitter. Des, ça, ça dans, dans une oeuvre qui sort euh, maintenant, c'est pareil. Hein, c'est le même, ouais, euh, même torrent de merde. Hein, ouais, c'est sûr. C est c est... sûr. Ouais. Mais euh, voilà, je... encore une fois, les thématiques, euh, ce qui parle de l'amitié toxique, etc., l'amitié entre femmes, probablement. Euh, de toute façon, c'est n'est pas, pas un hasard si ça parle à autant de meufs. Hein, donc euh, mmh. voilà, je ne vais, vais pas non plus me, supp me supplanter à ça. Mais par contre, bon, en tant que film, en tant que. Euh, oui, truc pictural, bon, bah, ça, oui, c'est pas, pas, pas bien. Voilà, c'est ça que je suis obligé de dire. Moi, bon, en fait, je suis juste là pour le juger en tant que film, parce que le reste, qu'est-ce que tu veux que j'en dise Moi, ça me concerne même pas, en fait. Hein. Donc, euh, je suis là en train de te dire, voilà, je regarde le film. Bon, bah, non, le film, je le trouve pas très bien, quoi. C'est sûr, c'est. C'est un peu maladroit, et puis c'est ouais. surtout mal. Mal filmé. Après, et le mal filmé, et... voilà. oui. Alors, mais après, le mal joué, je trouve que c'est. Comment dire Pour moi, c'est caricatural, donc je le je le perçois pas. En... Oui, parce que pour moi. ce parce que, moi, que je pense que c'est la preuve justement qu'elle a ce rôle caricatural, parce que pour moi, le fait que tu ouais. lui mettes des lunettes et qu'elle est moche, je pense quand même qu'avec du recul, c'est volontaire. Tu vois oui, Mais évidemment. Mais voilà. évidemment. Non, mais on joue sur ce trope, tu vois clairement. Genre, non, joue... parce qu'il y, y en a qui le font vraiment encore aujourd'hui, premier degré. Donc oui, bien sûr, dire. mais bon, c'est. Mais là, cette bizarre, finesse, Amanda Seyfried, bon, elle a prouvé depuis, de toute façon, que c'est une très bonne actrice et qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Bon, alors, Megan Fox, je suis désolé, voilà, j'ai toujours pensé, ça changera pas avec Jennifer Body, c'est une actrice cataclysmique, on n'y peut rien. Donc, là, je, je ouais, mais, je alors je oui, je que sais que. Je sais que. Je sais que oui, euh, mine de rien, euh, ce qu'elle dégage physiquement, euh, ça lui accorde un certain privilège, il ne faut pas se mentir, hein, mais euh, moi je m'en fous en fait. Donc, euh, donc non, euh, elle, est, elle, est pas, elle est pas douée, elle est pas bien, euh, dans Transformers, C'était n'était pas bien non plus. Et, et voilà, elle n'est pas non plus dans, dans Ninja Turtles, si on va par là. Hein <laughs> elle pauvre, elle pauvre. Mais non, voilà, bon, c'est une mauvaise actrice, c'est un peu dommage, tu vois. Et même si ça enlève pas le fait qu'elle méritait pas cette carrière, c'est sûr, probablement pas. Mais, mais du coup ça me sort en plus complètement du truc quoi. Euh, après moi je trouve que le film racole un petit peu de temps en temps quand même. Hein, voilà. Après est-ce que c'est volontaire est-ce que ça l'est pas je sais pas tu vois. Après c'est d'autres points de vue à nous qui amènent à ça. Mais euh... mais ouais de temps en temps il, il racole bah, un petit peu. Après ça fait juste une truc aussi. Hein. Ouais moi je trouve que c'est aussi pour enfin ça aide aussi à dénoncer le slut shaming ouais. en fait. Enfin, ouais, probablement. Euh, de, de la manière en fait comme comme l'idée même euh, de la la possession euh, en gros, le sacrifice a raté et elle se fait posséder par un euh, démon parce qu'en gros, elle n'est pas exactement vierge. Elle <laughs> est vierge d'un point de vue, euh, point de non, vue mais, mais pas d'autre. Ça, c'est con, euh, si c'est drôle. Enfin, ça se veut ça, dans la comédie. C'est super drôle. Non, mais Il y a Fuxilophile qui, qui nous dit dans le chat on a tous vu Expendables 4, elle ne méritait pas forcément plus non plus. Alors, moi, j'ai pas vu Expendables 4. <laughs> j'ai euh, pas vu Expendables 4 mais le... euh, non mais ne pas non, mais... plus non mais mais, mais là elle pas non plus euh, voilà. Pas si... mais voilà mais ouais, tu vois là, là dessus je trouve que c'est quand même resté aussi sur enfin euh, ça, ça montre bien que ça ça, ça utilise des, des, des tropes pour après par parler d'autres choses et euh... ouais, bien sûr bien sûr après et moi c'est voilà le le coup, qui euh... m'importe tu vois et euh, moi, je me suis profondément ennuyé et... en fait et Alors, en plus voilà. je trouve que mais après encore une fois je suis je suis d'accord avec toi sur euh, l'image et tout le reste hein, mais c'est juste pour revenir sur sur ce point là où euh, je trouve que justement, comme ça, ça dénonce le sot-shaming, et comme en plus on voit ça du point de vue de Nidhi, qui est donc, euh, bah voilà, les, la, leur relation est comme tu dis, enfin euh, ultra, ultra toxique, mais tu le perçois pas. Enfin, comme tu la vois à travers ses yeux, je trouve que comme elle l'admire, elle même si elle se fait bolos, en gros. <laughs> ah ben, euh... ouais. A... Première a... séquence où elle se fait pousser dans a... la porte a... du haut, oh, ok. Oui, oui, oui c'est vénérable. Hein. <laughs> Mais je, je trouve qu'il y a, tu vois, elle est pas perçue différemment, enfin, elle est perçue justement, diff... elle est présentée différemment que dans les autres euh, teen movies que tu peux voir avec des, des Queen Bee, tu vois. Ouais, il, y a, il, y a, il y a quand même un truc un peu, différent, euh, un peu différent, euh, différent là-dessus là, là et, et, et de ferme aussi ce, cette espèce de renversement quand elle, quand elle monte dans le van, donc la scène est absolument affreuse et glaçante. Et quand euh, elle te dit, enfin, voilà, tu comprends qu'effectivement, euh, euh, on, on te montre qu'elle est, qu'elle qu qu est très sûre d'elle euh, que, mais qu'en fait, euh, voilà, techniquement, elle n'est pas vierge et vous ne voyez pas, je fais des air quotes. Euh, mm. ça, ça, ça montre ça aussi. Et je trouve que c'est fait de manière intelligente. Ouais ouais c'est peut-être après on peut... ouais ouais oui oui non mais oui après je veux dire, encore une fois je trouve le film pas assez méchant euh, ce il, bah, fait, il a un en entre gros, deux ou... il y a un entre deux en fait il arrive pas il à dire que c'est très... euh, ouais, enfin... peut-être même un peu trop le personnage de Nidhi je trouve dans, dans, dans les maladresses qu'elle peut avoir et dans les conneries qu'elle fait aussi ouais. parce qu'il est totalement responsable de ce qui s'est passé et c'est pareil elle lui en veut pas tant que ça tu vois quoi bien alors... enfin, je veux dire moi je voilà les mecs ils l'ont pas trop shaimé finalement je veux je sais ouais. pas il y a pas de voilà je pas je pense que le film très tiède tu vois, ouais c'est pareil bouge. assez assez tiède et tellement tiède que moi à la fin j'avais pas compris en fait ce que vous les raconter le Non je me suis vachement ennuyé j'ai trouvé ça tiède et du coup bon bah je trouve ça non mais moi hein, ouais, un... j'avais pas compris le film tu vois j'avais pas compris ce que vous les racontez ah, oui. déjà le, le film à la base en fait concrètement j'ai regardé le truc mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait Enfin, clairement en fait je ah ouais, en fait des fois je me suis posé la question aussi qu'est-ce euh, qu que tu racontes parce que des fois d'une scène à l'autre je me suis posé la question du point de vue je... parce que du je truc, sais, pas, le... truc tu... on parlait du pro choice tout ça enfin le euh, diablo Cody mais là je comprends pas est-ce que c'est est-ce que, est -ce que le, le, le personnage de Megan Fox est-ce est que finalement euh, c'est une bonne personne Enfin, est-ce que c'est vraiment selon le film Est-ce ouais, de de je vue de moral en il, fait final, il y a, a quand même un dialogue littéral où elle lui dit :« T'as jamais été une bonne amie de toute façon. Enfin, » <laughs> ouais. bah, le, le monde, justement, l'idée c'est que c'est pas binaire et que c'est oui, c'est ça aussi, de dire on, on montre mais la complexité des relations. Mais dans ce qu'on montre, qu montre, on préserve énormément euh, Nidhi, je trouve, quand même. Oui, voilà, voilà le oui, quoi, oui, alors, oui, la oui, côté sage. Alors qu'elle oui, oui, fait peut-être la plus grosse connerie du film. Alors, euh, oui, oui, bien voilà. sûr. Bien Donc, sûr. Euh, je, je Et, sais pas. Mais justement, quand tu disais, oui, je trouve que les deux persos sont, sont détestables, en fait, pas dans la vraie vie, souvent, les gens sont comme ça aussi. Enfin, Sur gris, ils sont gris, ils ne sont pas blancs. Euh, Il y a des nuances. Il y a des nuances, j'espère. Non mais c'est vrai de. de non, mais il y a des nuances vidéos, mais il de... n'y en a pas assez dans le film du coup parce que tu vois plus euh, que... Oui, non, le mais film te montre plutôt qu'il y a aurait plus, plus, oui, ouais. plus quand au ça voulait montrer que c'est binaire. Oui non mais c'est tu vois d'autant plus quand t'es au lycée dans ce genre de, de contexte où euh, tout est tout est fait pour monter euh, les meufs euh, les unes contre les autres aussi ah il enfin, y a il un peu tout ça qui se qui se rajoute donc moi ça me fin, ça me dérange pas qu'elles chacune enfin euh, que aucune ne soit un parangon de vertu quoi. Hmm. Non, non mais bien sûr, non, mais je sais bien. Mais justement, je... le film est peut-être un peu binaire dans ce qu'il montre. Quoi, parce que, ah, voilà, de but en blanc, j'aurais tendance à penser qu'il euh, y, y a un bon côté tu vois, dans cette ouais. C'est pas, pas si évident quand tu prends le, le truc dans son ensemble. Quoi. Donc, Et juste euh... un truc à préciser avant de passer euh, à la question finale euh, c'est vrai qu'aussi il y a le maquillage qui est pas trop mal, je trouve, hein, pour, euh, pour Megan Fox hein, quand elle se transforme. C'est géré par. Euh... Howard Berger, qui était un des plus, gros artisans du, du moment, parce que lui, c'est, en fait, il a fait sa place dans l'industrie en faisant les maquillages euh, en grande majorité de la série The Walking Dead, et, euh, et après tout ce qui est tout ce qui est fait fictionnable très peu, mais c'est géré par un studio londonais, donc qui est MPC. Euh, voilà pour ça, et euh, on va finir avec la question est-ce que Jennifer's Body mérite la C'est Là, ça va être ça va être coton, mais on va ah, commencer avec Vesper. Bah, non, du coup, après tout ce que j'ai dit. Hein, Nos chiclistos. No euh, Manu. Non, pour les mêmes raisons. Je, je trouve que le film n'est pas parfait, mais je n'allais largement pas le mettre dans le chicliste. Largement tuer Drogon, quand même. <laughs> J'attendais. <laughs> allié, allié, mais en même temps, il ne faut pas déconner. Voilà, on sur les vrais <laughs> sujets. voilà. Euh, Marvin. Ah, moi, je vais dire oui, du coup. Voilà, parce que. Bah, non, mais bon, en sortant, en sortant du discours, tu vois, du truc, bah c'est pas un bon film, quoi, je, faut pas déconner. Donc, euh, euh... Bon, alors, laisse-moi prendre mon sondage euh, Twitch. Pourquoi Parce que ah, toi, tu dis oui bah, Mais faut savoir, d'accord Tu, tu votes pas, pas, et là, là tu vas. Euh, mais ça non, fait non. un moment qu'il s'est mis à voter. Non, mais, euh, mytho, là. Là, je suis obligé, obligé. Il vote quand ça l'arrange, hein Non, c'est pas et quand ça. Il vote ça quand il y a besoin. Ouais, quand il y a besoin. Tu votes totalement quand ça t'arrange. Non, tu votes totalement quand ça t'arrange. Non, mais ça, c'est mytho sur 20, hein mais Non, oui. mais pas du tout. Mais arrête, non, ça fait mais un moment qu'il vote quand si même. Le, ça nomme, un moment le nombre de fois où t'as pas, où as de pas, de pas protester, voté. Où on, était où on était trois. Là, on est quatre. Là, tu fais exprès parce qu'on est deux. Et bien ou. sûr. Non, mais t'es un bâtard. <laughs> non, ah non. Vraiment... <laughs> bon. bon, écoutez. Si, si vous. Si, attendez, Attendez. Parce que du coup, si vous criez à l'escroquerie. Euh, euh, bah écoutez, je vais pas faire de questions. Je vais pas faire de questions et on laisse et on épargne. J'ai dit tout quand même dans le chat que, si vous l'aviez si mis ou non. Mais bon, oui, moi ouais. je pense que de, de toute façon, je pense qu'il aurait été sauvé. Foxy nous dit ouais. Luc vote pour et deux choses, ils... Fox et les proutes. Oui, tout à fait, oui. voilà. <laughs> ouais. ça... les... Mettez-le Mais de toute façon, les gens l'auraient sauvé, c'est sûr. Après, euh, globalement, euh, je vais dire, le, par rapport, tu vois, j'ai fait le sondage Instagram, c'était oui à la cheatlist, mais à 54%, tu vois. Donc c'est quand même... Euh... Ah ouais. Et j'ai eu euh, une centaine de votes, donc c'est quand même... Euh... Ouais. C'est quand même complexe. Mais je pense hein. que ça, c'est le genre de truc, aujourd'hui, on le sauve. Je pense, ouais. Euh, attendez, il n'y a pas de cheatlist, cheat list, pas de cheat list, tu vois. Enfin, euh, pas non, de C'est le sondage. Ah non, mais c'est... Euh... Ah, ouais, non, non je pense vraiment.. C'est serré dans le, dans le chat, hein. Ouais, bon on va on va on va l'épargner de, de la shitlist. Ah, il mérite pas ça. Il mérite pas, il mérite pas oui. la shitlist donc il va euh, être sauvé. Je veux donc... que toutes les personnes qui comptent l'auraient pas mis dans la shitlist. Ouais bah voilà. <laughs> euh, on crie à Luc, allez à allez euh, euh, Oui oui bah écoutez ouais bah écoutez on va on va le. Du ah, on va pas se battre pour ça je pense que ça va. La colline me paraît un peu raide pour se battre ouais, là-dessus. Pas nécessaire. Donc, Papa, Il y a ouais, des négociations sur Michael Bay, euh, tout est possible. Ouais, ouais, non. Oh ouais. tu vois, autant j'ai été scandalisé après Hook et Shrek, autant là, je m'en fous. Voilà, ça oui. <laughs> Encore une fois, il faut choisir ses combats. Voilà, voilà c'est ça. Et celui-là, bon, je pense que je vais le laisser derrière moi et puis <laughs> on en parlera. Plus... Euh, on... Peut-être qu'on évoquera quelquefois. Mais... Ouais, un jour ou l'autre, ah ouais. peut-être. une suite, jeu, six La jurisprudence, euh, Jennifer's Body. Euh... Ouais, moi, une fois que Dune et Rogue One sont dedans, moi, tu sais, on ta il est fait. Hein. Ah oh je peux partir fier. Je peux partir fier. Donc bon, hein. Jennifer's Body va directos pas dans la checklist. Euh, on, on va passer au courrier des Durandos. Alors, courrier Durandos, c'est votre moment pour vous par enfin, par partager votre, votre avis sur le film et nous, nos recommandations et même lire quelquefois des courriers de lecteurs. Euh, allez, on va passer euh, ce que j'appelle la rubrique désormais des meufs de checklist. Euh, Marie Clémentine qui nous dit ne va absolument pas dans la checklist, un message très Riot Girl, corps des late 2000, imparfait mais plein de sincérité brute du Hall, Megan Fox, Fitazel et du basic mail shaming. Euh, Alizé, de son côté, filme plein de contradictions de jeux d'acteurs approximatifs mais la réflexion sur les amitiés féminines et les euh, violence sexuelle reste très intéressante. Il y a le mérite de mettre en scène des ados imparfaites et énervantes, pour lequel je ne peux m'empêcher d'avoir énormément d'empathie. Alors Michael Jonas, encore une fois le, le vrai, hein, toujours là, hein, toujours à nous suivre. Michel. Ouais, incroyable. Michel, Michel, Michael. Michel Jonas. Ouais. Mais moi je l'appelle Michael. Michael. Jonas. Euh, mais Michael non. Jonas parce que si, parce qu'il a changé son pseudo. Ouais. C'est Michael Jonas. C'est ah, plus. Michael Michel Jonas. Il est devenu américain. Ah. Euh, Revu il n'y a pas <laughs> longtemps et le film a demandé si j'avais écouté le dernier Fall Boy. Mais à part ça, pas shitlist. <laughs> euh, Personne. Écouter le dernier Fallout Boy depuis la sortie du film, je pense. Ils ont ouais. vraiment fondu eux. Ils ont fait 3-4 albums qui n'existent pas en fait, dans le dans... nom. Je pense qu'à partir de ça, 2010, tu vas avoir les fans non. de Fall Out Boy qui vont taper alors, à ta ils vont ouais, mais Alors, euh, déjà, il y en a peu. et là où j'habite, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas. Bah non, ils vont taper <laughs> dans TDM vraiment... ils vont dire Melvin suite à le dernier épisode de shit parce que Fall Out Boy c'est quand même des super morceaux comme Dance Dance c'est les mêmes qui veulent rétablir le Snyderverse et ils doivent choisir ah oui c'est littéralement lui qui va m'envoyer un DM en disant franchement j'ai pas trop aimé Sugar We're Going Down quand même top 100 de tous les titres qu'on a fait au monde voilà non mais clairement non mais je comprends fucking movie certains poils génériques mais à l'esprit rock oula dur un mini revival rafraîchissant et à l'ironie mordante des choker des années 80 tournant joliment autour de la figure de l'ami mortel où une beauté presque parfaite se fait la pas du mal pour mieux la dévorer pas de shitlist et euh, Art Donaldson Stan euh, là à euh, la couronne euh, du commentaire le plus con que j'ai jamais lu depuis euh, <laughs> dimanche bon ça va c'est quand même pas, mal. Euh, ouais, qui pas dit, mal à ce compte là autant demander si le parrain mérite la shitlist voilà bon, <laughs> bon, alors là, bon. Ah, alors, pas je pas me permettrais de dire que j'ai trouvé ça un petit peu exagéré mais bon <laughs> euh, mais, euh... mais ne nous sommes-nous pas l'exagération de base en même temps c'est vrai que c'est un excellent commentaire voilà, voilà bah oui, oui. clairement Donc, euh... alors j'ai récupéré oui. un commentaire Apple 5 étoiles bien sûr ils ont ils ont compris le système ah. hein, pour, ah. pour pour, pour oui. se faire entendre euh, titré elevated connard voilà avec un s <laughs> ouais, pas... ah arrive. ouais euh, j'entends le il oh alors, alors, attention, celui-ci, il est pas mal. Les fautes d'orthographe de Luc me brûlent les tympans. Est-ce que je peux comprendre? La condescendance et le mépris cinéphile. Normalement, t'entends preuve... pas l'orthographe à l'oral. Non, mais ma dyslexie s'entend très fortement, des fois. Euh, oui. la condescendance et le mépris cinéphile dont fait preuve Melvin m'oripile. Le rire de Vesper m'insupporte. Bref, je les adore et j'en redemande. Voilà, avec un grand cœur. Mmh. Euh, hâte de voir ce que vous comptez pour prendre la relève de shitlist Signé. Un cheminot en colère. On en a eu ah. quand même un, un cheminot en colère. N'hésite ouais, pas à me contacter hein, parce que j'ai deux trois trucs à te dire. C'est hein, <rire> <laughs> ouais, ouais, peut peut-être euh, lui qui s'occupe de tes trains. Même là. si ouais. maintenant, figurez-vous que j'ai encore passé une étape dans la. J'ai une nouvelle ah ouais. carte de membre es, qui est es dorée es cette fois. Ah, ouais. ah, et je suis ah ouais. grand voyageur, le club. Genre, là, ah ouais. oh, genre. Attends. C'est quels avantages que Quels avantages Je vais dire ce qui se passe et ce qui se passait pas avant. C'est que maintenant, je peux... déjà, je peux emmener qui je veux d'entre vous avec moi dans le salon Grand Voyageur et, ah et café gratuit. Et ça, et ça, je peux vous dire que ouais. Alors, ça veut dire que si tu débarques à Nantes, ah mais peux prendre un café. Ça veut dire que, ça veut dire que café gratuit à la tour de l'horloge, ça peut se faire. Ah, 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 ah. ah, ça vaudrait le coup. Ma sois bon, généreux, fais péter. Pour regarder pour Riverdale un sur un téléphone portable. Ah oui, mais on nous donnera des chargeurs. Que oh, que putain, ouais, ça. Ah putain, ouais, c'est incroyable ça. Et ouais, le vrai service client en fait. Il ouais, faut, ouais, ouais. faut dépenser. Et, et, as et par contre, t'as vraiment un truc de. Euh, combien je dépense Combien je donne 000... à la SNCF par an 5 000 par an, je pense. Non combien je leur donne par an Au moins 2000, je 2 000, je, pense. Bah, je dis Ça non. Bah ouais, ça mais... vaut bien un café gratuit. Non. Je leur donne combien <laughs> en vrai Ouais, 5 6 000 <laughs> par an, je leur lâche. Donc bon. Ouais, c'est ça. Une... Bah ah oui, si tu vas en bah oui, c'est normal. Je leur lâche. Je leur lâche pas loin de 1000 par mois, en fait. Donc, Il euh, oh y a des mois bah... un peu moins. Donc, je pense qu'on doit être autour de 7-8000, tu vois. Donc, donc, ouais, tu peux bien. Vous entendez Vous entendez bien ça un chargeur, en Vous vrai. entendez ça donnez au Patreon s'il vous plaît merci ouais. <laughs> il voilà. un droit. chargeur de temps en temps s'il te plaît tu vois non ouais. par contre j'ai le, quoi, le, droit, ouais, le, le droit à une de... ligne dédiée ça veut dire que maintenant euh, quand j'ai un problème moi je peux appeler il y a des gens qui me répondent à moi ah, genre, ouais. je suis vraiment au-dessus de la plèbe là genre euh, ouais mais Huit euh, bon, ah, hein, 8000 euh, ouais. balles si c'était juste attends. ça la ligne dédiée le café gratuit c'est un attends. peu dur hein. non, il bon, peut se la péter parce que s'il y a un problème dans le train et s'ils sont bloqués lui il peut débarquer, il peut dire attendez je vais appeler la l'outline. <laughs> J'appelle la ligne grand voyageur, vous inquiétez pas. <laughs> c'est pas ça qui va se passer. Bon, Et là 15 minutes d'attente. Pendant, pendant, pendant <laughs> le spectacle de stand-up de l'autre connard là, tu vois je peux. Appeler ah, oui, genre, oui. Ouais. ah ouais ah, ouais. Tu t'es dans ton train il y a Paul Mirabel qui vient. Oh. Oh là 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 là. Et oh qui fait là, des là, blagues là. genre euh, ça c'est chaud. <rire> <rire> t'as vraiment envie de le bully, tu vois. Enfin, l'âme les rouillards Ah putain Baptiste Le Caplin, tu sais, qui arrive... le stand-up, tra... moi je pense... Euh... Bah, quitte, quitte à ce qu'on qu m'en veuille, mais déjà, le stand-up, ça devrait être interdit aux blancs, déjà. Tu devrais... oui. Non mais vraiment, oui, c'est oui, interdit. Oui, 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 oui. Genre, c'est pas vrai. pour vous, encore, ça, tu vois. C'est comme quand vous essayez de faire du rap, genre. Stop Non. On coupe le micro Voilà. On pareil, enlève vois, les crayons, si on... on enlève les papiers. On n'a pas besoin de Baptiste Le Caplin, de Paul Mirabel, on n'a pas besoin de Nekfeu et Aurel San, c'est pareil, tu vois, genre, arrêtez. Et euh. Je pense ah, que bref, tu viens d'invoquer de... les quatre cheveux de l'Apocalypse. Ils arrivent là, ils sont derrière hein Ah bah ils oh. sont là, ils sont là, bah oh. ouais, c'est oh. oh. euh, Ouais, non, on n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Alors, ouais, c'est. Vous êtes venu avec votre femme Elle est chiante, votre femme, ouais, putain. Eh, <laughs> <Ouais. rire> <laughs> hey, vous savez pas la dernière alors ouais. ah mais c'est ouf. Ah, mais en retard, ouais. hein, j'ai prévu un spectacle de 4 heures parce qu'on va être 4 heures en retard. Non mais je les vois déjà arriver, les vannes, j'en peux plus quoi. Ouais. Donc, euh, est, déjà, on est déjà tous sous pression dans le wagon, on <laughs> n'en rajoutait pas quoi. <laughs> là, tu fais des suicides en, en pagaille là, c'est, ouais, ah, ouais, ouais. terrible. Euh, alors le petit jeu de la semaine, alors, le petit jeu ah. de la semaine. Voilà, ouais, vous allez être content C'est ah. le top des meilleurs films d'horreur des années 2000, selon. Inspiré selon bien sûr le même site tout pourri avec leurs membres qui le sont autant alors on euh, va commencer un jour avec... nos sponsors on aura vraiment euh, explosé toutes les barrières c'est <laughs> euh... de 2000 à 2024 que... ou c'est de 2000 à 2010 2000 2010, à 2010 coup, voilà. ah, à par 2010. contre ça va être compliqué parce qu'il y a un paquet de doubles hein. alors ouais, déjà il y a une gigantesque double en dixième position alors ça fait beau scream non. <laughs> non non. non, non. <laughs> calme-toi toi toi une, fran une franchise non, c'est pas une franchise, c'est un film français, issu du French Friars. Haute tension. Non. On a euh, il a réalisé. Frontière. Hein Oui, Frontière. Non non non, euh, un... je... non, a... non non non. C'est un. Attends, 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 attends. j'ai un indice, mais ça va, pour... ça va vous aiguiller très rapidement. Il y a Xavier Dolan genre... qui se fait défoncer. Euh... Ah, euh... ah ça, ça marche aussi avec ça, chapitre 2. Mais euh, bon, bref. <laughs> non, mais là, il se fait euh... ouais, littéralement démonter, euh, démonter comme pas possible. Ah, attends, c'est quoi que t'as dit C'est quoi J'ai déjà dit frontière. Non, oui, mise mais c'est pour ça je, 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 je c'est pas frontière. Je crois qu'il se fait démonter par un euh, shotgun. Si... C'est bon quoi ça déjà Il se fait démonter par un fusil à pompe. Ah, c'est euh, Martyr C'est ah, Martyr de Pascal, au jeu. Il l'a vu il y a pas longtemps.

eh, il faudrait que j'écoute ce petit euh, bonus bah, il si euh, faudrait, que je, faudrait, que, je file, faudrait ouais. que je vous file les identifiants de, de patreon pour que parce que j'ai pas parce que nous vu qu'on paye pas on les a bah non, non mais c'est qu'en fait mais si tu veux t'as la as la possibilité t t as la possibilité de filer des accès en fait à tout le monde non, mais sauf qu'il faut payer 15%. je crois que c'est qu'il faut monter la com à 15%, ah ouais en fait. voilà ouais. Sinon, ouais, faut... ouais, non, mais Allez, sais, sinon tu fais un oui transfert, Luc. Hein. C'est juste que ah t'as oui. la flemme. Mais un oui transfert, c'est... Ah, un Swiss... Il le faisait avant, mais il a arrêté. C'est ah, dit ah, de toute façon. Oui, faisait... Après, il est possible qu'on n'écoutait pas ce qu'il nous envoyait. Aussi, de... <laughs> si, moi j'écoutais les bonus. Ah, ah tu vois. J'écoutais les bon. bonus. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'était mais la seule, c'était la seule. Mais ouais... Elle aurait appelle son oui transfert à personne, tu vois. <laughs> ah, il sera là. je t'envoie je donc, un, ouais, Suisse, dis, un Swiss 9. Euh, donc 9 position 9 position c'est un film euh, je crois que c'est norvégien non suédois pardon suédois c'est suédois. Morse effectivement c'est Morse je bah, sais oui, pas, oui. Si euh, pas si vous l'avez vu dans l'équipe Morse Oula, oula, non, non. Ouais mais c'est vachement bien hein, c'est pas si effrayant que ça, c'est vachement bien. Ah ouais C'est vachement bien, ouais ouais ah, ouais. Tu sais c'est du pré à 24 quoi, c'est genre un peu... Euh... Ah ouais, ça c'est de l'horreur psychologique quoi, tu vois genre, il ouais. ouais, faut comprendre quoi. Non, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il y a eu un remake tout pourri avec Chloé Un remake américain Ouais, je crois que c'est Laisse-moi entrer, un truc comme ça. Vous, ouais, si crois, vous me dites ouais. que ça fait pas trop peur, je pourrais, je pourrais. Non, non, ça va, franchement, ça Non, non. Okay. Mais c'est. Ouais, ouais, c'est. Par contre, c'est une ambiance assez lourde. Triste, souvent. Mais, euh, okay. mais c'est vachement bien, mort. Okay. Ah, ouais, Mais Vampire okay, Triste, bien. un peu. Tu sais. Vampire Triste. Vampire, ouais, euh, okay, vampire, vampire, D... vampire Joy Division. Un peu dans l'idée. Ouais, Vampire Joy ouais. Division. <laughs> euh, voilà. Tu vois, voilà. Okay. ça, ça, ça bien. passe. Euh, en 8 position, c'est peut-être le seul bon film de Neil Marshall. Euh, alors, c'est pas vrai, mais c'est Doomsday non Non Mais non mais t'es con non, toi putain sais. mais c'est pas doux Je sais pas tu sais ils étaient capables de dire Ah alpha dog Mais non Mais putain mais Alpha dog ça va ça va. Mais tu fais exprès euh, Non attends je veux C'est dog soldiers Mais ah, Non mais ils se il se fout de ma gueule plus trop de Mais il se fout de ma gueule <laughs> ah, Mais non. non Mais putain Mais une grotte ah, là, là, une là grotte Une grotte ah, c'est pas bien, Zodicent C'est nul C'est vachement bien, Zodicent Mais arrête de Mais tu te fous de ma gueule, c'est vachement bien C'est bien, putain Et puis le meilleur film de Franchement, c'est moins bien que Doomsday et Doc ça. arrête Pourtant, c'est nul et oh ça veut se battre. Arrête, c'est des arrête. meufs qui font du hacker. De... Elles as sont poursuivis par des monstres en slip. C'est bon quoi. Attends, et bah c'est effrayant des monstres en slip. <rire> <rire> Putain, <rire> mais tu <laughs> sais, t'as un mec <laughs> en slip là-bas, là, à l'autre côté. Alors, Il arrive dans le noir Justement, avec des petits yeux brillants. Bah ça fait flipper. Ça fait des <laughs> années que je matais The Descent et que des fois des gens me disent t'inquiète, ça va. Et d'autres gens qui font non, mais en vrai, tu vas avoir peur. Alors moi, je te le dis, écoute moi ne regarde pas The Descent. Bon. Même si en fait, je ferais dis... jamais de pas, je, suis... je sais que. Je sais que pas. Je vous a dit rien. plus haut, ne regarde pas Morse. Je pense qu'elle peut enquêter Morse. The Listen, on commence à être dans le temps d'Axe. À mon avis. Ok. Ah non, mais je suis deg parce que. Après, est-ce que tu as peur des craquets dans le slip ou pas C'est ça la question. ah non En vrai, c'est un peu ça qui se passe. Je travaille pas loin de craquets dans le slip. En vrai, c'est une journée au boulot pour toi. Ouais, ce serait ouais C'est un joueur. C'est Stanley Dreads Movie, quoi. Un petit peu. Ouais, ça fait ouais, être bah ouais, ah ouais, non, mais The Odyssey, comme j'en ai toujours entendu parler, parce que c'était la... Comment dire Aussi les inspirations du reboot de Tomb Raider en 2013. Oui, un petit peu. Ouais. Je, je suis très curieuse... Ah ouais, euh... mais le reboot de Tomb Raider est vachement mieux que The Odyssey. Oui, Mais, mais t'es pas bien... Je me suis dit que je peut-être que j'aurais moins peur. Mais voilà, il y a chaque fois... Alors je suis désolé, hein, mais je suis peut-être le seul... Moi, je le trouve pas mal le reboot de Tomb Raider. Je trouve ça mieux que le reste. Ah, ah bien oui moi ouais, bah, bon, après moi j'ai pas vu The... oula, j'ai pas vu de scène donc je peux pas dire mais mais bon, OK. Ouais, okay c'est très bien. Bon je ne regarderai pas alors. Je... Ouais. Après c'est même pas le meilleur film de rafting du monde quoi. Donc euh, je vous dis ouais. c'est pas C'est raid, c'est raid le meilleur <laughs> rafting du monde. Euh, ouais ouais. Avec la... la rivière sauvage ouais. avec ah. Louis ah. Strip et Kevin. Ah. Incroyable. Donc, pardon, euh, allez, septième position, c'est un remake. Ah, un film d'horreur, un remake, oui, ou oui. bah dis donc, ah bah c'est... Ah oh bah <laughs> <vrai>. non, <laughs> merde Massacre ah, oh. bah, à films. la tronçonneuse, et là j'ai peur. Il est pas bien, il est pas bien. The Grudge. Bah je l'ai vu, je l'ai vu. C'est pas, pas The, The Grudge. C'est pas, pas Evil Dead, Dead. Dead. c'est pas Evil Dead. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un remake C'est pas The été remaké en fait. C'est pas The remake. Bah non mais attends, on va pas rentrer dans les grosses merdes, on va pas dire Freddy tu vois. Mais t'es con quoi, Il y en a un qui est vachement bien. Un remake. Mais dis pas que c'est Halloween. Mais non, super, ce -là. mais non, super. Mais non, c'est pas sûr. Non, le one de Rob Zombie, non, dégueulasse. Mais non, ah non, c'est réalisé, c'est réalisé par. Un ouais, Français. Mais c'est les années 2010 après. C'est réalisé par qui Attends, un moi. Ah, c'est la Coïna des yeux. La Coïne ah, des yeux. Ah, ah oui, tu. En oui, ah. fait, t'aurais dû commencer par dire le seul bon film d'Alexandra et on aurait. Dit... <laughs> <laughs> ah oui. A... Non, tu m'aurais dit. Oh, attention. Bah non, putain. <laughs> non. T'aurais dit, bah non. Il y en aura. un qui... ça... Math... Mathieu aurait été là, il aurait dit Crawl. Je... Non. Par exemple, ça c'est mort. Ça c'est mort. Oh, ça, ah, oui, non, non, vraiment, vraiment, non. Ouais. Et puis, non je, euh, moi je, je l'ai vu, vu, mais c est... C est... Il ne regarde jamais ça. Non. Ah oh, non, non, merci. Bah, par, bah, rapport bon. à, par rapport à la question de certaines violences d'une certaine catégorie, ah, oui. c'est un film qui est très mal vu. Il faut oui. le savoir. Je laisse passer sans regret là. Tout en sachant que, bon, c'est un bon remake. Après, c'est le remake d'une gigantesque merde. Enfin, oui, bah euh, oui, oui. Mais <laughs> le film reste non, quand que même efficace. No West Craven, mais c'est genre euh, à se pisser dessus de rire tellement c'est nul. Bah, C'était euh. fait par des mecs qui étaient déglingués, euh, qui étaient déglingués à l'ESD, les dé qui sont venus on va et, dans le désert, on va faire un film. Quoi. Les habitants des collines habillés en léopard qui attaquent des dents, franchement. Alors, du je... coup, je peux pas ouais, voir pas. le sou de Craven à la rigueur. Ah, ah si, par contre, ah, c'est de West Craven. Ah, ah, mais tu pour ah, le fun. Maintenant, on le regarde, on se marre. ok, d'accord, ok. Tu m'as vendu au léopard. Euh, ah ouais. Non non, non, tu peux. Donc les mecs en, mecs, en Les caverne et les mecs en les opera. Ah ouais. <laughs> ouais, ils choisissent pas. en ils sont faut pas parler en parler avec, avec des, des, des mots simples. Dans hein. Ils sont en slip ouais. blanc pourri. Ouais. Donc, on on avec de on parle la merde. avec des mots simples pour pitcher des concepts horrifiques, tu vois, j'ai besoin de savoir. Et alors, la colline à des yeux 2 qui est produit par Aja et réalisé par je ne sais qui. alors là, honnêtement, mais c'est je pense qu'on atteint le simple fond du fond. Se... Okay. On va envoyer une équipe là, de SWAT. Les mecs, et les mecs ils se sont dit, on a mis une scène de viol dans le premier, donc on va en mettre une d'un quart d'heure dans le 2. Mais vraiment, c'est juste pas voir. Hein. Ah, ah, oui. oui. Le 2, c'est n'importe quoi. Même moi, j'ai tourné la tête au bout d'un moment. et Vous savez ouais. bien que normalement, il faut y aller. Mais là, vraiment, je vous jure, c'est ouais. compliqué. Hein. Ah ouais, non, c'était bien. bien. Sixième position, non, là, on arrive plus dans la poésie. Là, On arrive plus sur un cinéma d'auteur. Euh comment je vais faire pour pas un film d'horreur d'auteur ouais un film d'horreur d'auteur Elevated ouais. un peu Elevated ou pas non pas Elevated non non on euh, pas elle, encore elle... Dans, la, dans la période Elevated non, des... les... non c'est pas un Shyamalan euh, ça se déroule durant, durant une guerre ça se déroule durant une guerre euh... réfléchissez un film d'horreur qui des se déroule pour une guerre c'est pas une guerre mondiale c'est une guerre dans un pays oui c'est une guerre ah, c'est euh, euh, du diable non non ça aurait ah. pu mais c'est pas ça ça c'était Bangers. Le labyrinthe de pan. Le labyrinthe de pan. Et oui, les Chines du Diable, c'était banger ça. Mais labyrinthe de pan c'est... C'est un film d'horreur vous quoi Ouais, pour moi c'est pas tant d'horreur. Pas tout Ok, après j'étais pas ultra bien devant les du Bon, on espère, c'est pas un film d'horreur, c'est clairement sans départ. Ouais, grave. le sort de la caté, tu vois. J'étais pas non plus ultra à l'aise quand je l'ai vu, mais bon. Luc, je le dis, c'est plus de la poésie, donc j'entends. Oui, c'est vrai. Il y avait les avertissements. L'horreur poétique. La poétique horreur. Politico-horreur, oui. C'est tout l'horreur des Occident... Des Européens. L'horreur sociale, Il est Mexicain, ouais. donc ça marche pas. tu as c'est quand même alors, produit avec des là. Européens et tout. Donc, ouais, euh... ouais. Tu vois, genre, nous, on n'est pas cons, Comédie horrifique. Comédie horrifique en cinquième position. Facile. Bah, ça... Mais non. mais super simple. La comédie horrifique à chaque fois que tout le monde te sort. Ah, j'adore ce film, franchement. Shown of the Dead Shown of the Dead. Moins fait bon fait... film de la trilogie, peut-être Peut-être qu'on peut, peut, qu oh, peut ouais. dire ça. Ah, on a mais... eu ce grand débat je... Ah, oui, oui c'est vrai. pour oh, moi c'est le dernier pub, le moment bon, même. Mais... Moi aussi. Moi, j'aime je... bien le dernier pub, en fait. Ouais, moi aussi, c'est marrant. Oui, bah, je l'aime bien quand même, mais je trouve que Hot Fuzz et Shaun of the Dead sont là. En tout cas, ça reste ouais. toujours mieux que euh, Last Night in Soho ou Corinne ouais. curie dans le genre. Là. Sais, euh, last Night in Soho, il y a des trucs bien quand même. Non, mais Last Night in Soho, par contre, c'est le esthétiquement, c'est le truc le plus ouf qu'il ait jamais fait. Oui. Ça le sauve. Après, c'est pas terrible. C'est pas fou. Quatrième personnel, ouais. un gars horrible est et pas si mal quoi. Quatrième position, film d'horreur espagnol également. Grec ah, les, les, non. les... L'orphelina. Non. J'ai fait tous les trucs euh, espagnols que je fais. Fantôme. Et, euh... Bah l'orphelina. Non. Je te le redis en si tu veux. Non. Mais je suis diable Non euh... un truc Pourquoi je suis nu diable putain <laughs> mais Non mais en fait c'est plutôt je suis con. Euh... Oui, non c'est 2001 nom. les Chines du Diable en plus Ah ouais. Non, a les un, autres 2001 Ah comme le lycée de l'Espard euh... <laughs> Les autres Ah je déteste ah Bah oui les, les autres c'est les autres Ah, les autres, ah, bah oui. ah je l'ai vu les autres Ah oh, c'est pas un film d'horreur les autres Ah Oui vraiment il n'y a oh. pas de film d'horreur <laughs> <laughs> <putain>, mais... <laughs> <laughs> J'aime pas, pas ce film, film d'horreur hum. Mais qu'est-ce qu'il faut pas Tiens ils ont fait mis les autres ils ont pas mis les Chines du Diable Et là on revient encore sur un autre film espagnol Ah les Chines du Diable Non L'orphelinat! Et c'est Rek, c'est Rek Vesper, bien sûr. Rek! Franchement, il n'y a pas les, les films qu'on a dit là. C est c est tout tout tout. Parce que Rek, c'est pas ouf non plus, tu vois. Bah, Rek, ça va, ah, mais bon, mais rec, 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 ça quand c'est sorti, les gens ils parlaient que de ça. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. Ah, bah, bah, ouais. C'était n'importe quoi. Mais. Euh, Combien bah, il ouais. y caméra dans un immeuble et tout. Ah, tout c'est complètement Moi je pense juste au fait que les gens qui votent, ils ont à peu près mon âge. Donc j'essaie de me réfléchir peu au phénomène qu'il y a eu dans les années 2000, tu vois. Sur ce site-là? Je pense ouais. qu'ils ont 10 ans de moins que nous. Non, ah non. En non. a, bon, c'est des boomers, hein. c'est des boobies. Hein. Non non. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, et, je cale et, là, numéro 3, et je me calme dedans. Et je me dedans. ont. Non non numéro 2. De genre... Là on est on arrive au numéro 2 ah. Là on arrive au numéro 2. On, au... on arrive au. Numéro. Là là on est euh, dans ah. la crème ah, de la crème. C'est des troisième. Voilà exactement. Ah, ouais, enfin, c'est haut quand même. Hein. On Le mettre des hostels et des conneries comme ça tu vois. voir. Non 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 non. En deuxième position. C'est si tu fais ça je pense. Deuxième position si je vous dis singe. Singe. En deuxième, avec des singes. C'est toi, moi, le l'occurrence. Non, c'est l'origine. Les singes, c'est l'origine. Des singes, des l'origine, mais c'est pas... Mais c'est 2011 en plus. Singes, des origines. Ah, jours plus tard, c'est ça Ah, jours plus tard, bah oui. Ah oui, incroyable. Et franchement... Mais non, 28 bah, 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 jours au début, ouais, on... 28 jours, c'est bien. La partie ouais, zombie ouais. est super, et après on te fait, ah si on allait faire un truc horrible, dans Oui, mais tu sais, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Ouais, non, mais... ah, ah, oui, oui bien... Bah tu vrai, résumes ouais. The Last of Us aussi, de hein, toute façon. Oh, en vrai, vrai c'est un Danny Boy mid tiers. Hein. Oh, franchement, ça va... Non, mais le début, ça va, mais le dernier tiers est affreux. Ouais, non, non, moi j'aime bien. C'est de filmer avec des caméras dégueulasses, là. ça m'a fait marrer 5 minutes minute, mais après c'est bon, quoi. <laughs> Il y a toujours un temps plus tard. Voilà. Ah, ah là, là, oui, ouais, non mais ça... Ouais, Et vas-y, le premier, Fais-nous rêver. Non, oh, ben bah, oui. je vous fais rêver. Ça a été tourné avec un budget d'un million de dollars. Pardon, on non. non. Un million, non. Non, c'était beaucoup moins. Un, euh, euh... Million. un million En pas cher, mais pas si pas cher. Ouais, mais là, c'est compliqué, <laughs> là. N'importe quel film d'horreur cheap peut avoir ce budget, en vrai. Euh... Euh, mais un film d'horreur cheap qui a marqué les années 2000 Blair Witch, non, non Blair Witch, c'était les 90. les 90 euh... Et puis, la pub de c'est 10 euros. C'est <laughs> un, oui, ouais. un café à la gare SNCF. Ouais, 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 en film en films qui n'ont pas beaucoup été. T'imagines ouais. le nombre de films d'horreur que je peux faire avec ce que je lâche à la SNCF par an <laughs> ah, 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 tu, tu peux, peux révolutionner tu peux le, faire, le film par de par genre, Marvin. C'est son. Un truc genre Trémor, des conneries Putain, c'est son. Ah, honteux. Bon, non, pas si honteux que ça parce ah, que ah, ça arrête de me lancer. Qui a, lancé, qui a lancé une carrière quand même d'un réalisateur qu'on aime beaucoup. Numéro un, c'est abusé quand même. oui. Et, Et figurez-vous si, qu'ailleurs, euh, pendant le rewatch des Sopranos, du coup, euh, <laughs> ils osent, ils osent euh, aborder les, les petites histoires qui traînent autour de S.O. qui sont apparemment confirmées. Que ce soit un film qui a été financé en grande partie par la mafia. Oui, <laughs> oui voilà. ouais, Parce qu'en ouais. vrai, euh, au bout d'un moment, la mafia italo-américaine a compris que les films d'horreur ça coûtait que dalle et, que et ça, que ça pouvait rapporter beaucoup C'est ouais, sûr euh... que vous regardez, bah, déjà sur Saw so, c'est le cas, et sur plein d'autres films après, il y a plein de producteurs un peu bizarres euh, avec des noms à consonance euh, ah hein sicilienne. Genre, <laughs> bizarre, vous êtes qui vous ouais. <laughs> euh, Non, non, c'est marrant. Et c'est marrant, bah, les Soprano, ils osent carrément le citer, tu vois. Euh, so il ouais. euh. y a même ouais, un ouais, réalisateur asiatique qui fait le film de Christopher. Quand... Oui c'est ça oh, ouais. oui c'est l'arc de Christopher. Ouais, l'arc de, de Christopher ils ont pris un réalisateur oui. asiatique et tout d'accord. L'arc ouais. de Donc, Christopher assez avec, osé son... De le faire. avec son film public qui, qui raconte sa vie dans, dans la mafia oui. oui. <laughs> c'est trop c'est drôle. C'était affreux. C'était affreux. Bah, affreux. Bah, eh, affreux mais en vrai tu sais il y a plein de films qui ressemblent vraiment à ça. Hein. Oui <laughs> mais, 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 mais je les trouve ouais. affreux aussi. Non mais c'est c'est même pas c'est oui c'était pas de la parodie oui même pas non. Alors, on va donc euh, maintenant se concentrer sur les recommandations. Alors, je vais commencer avec Vesper. Qu'est-ce que tu nous recommandes Oh là, euh, j'ai vu pas mal de trucs. Je ne sais plus quand je suis venu la dernière fois, ce que j'ai. Ah si, j'avais recommandé à la dernière fois les graines, les graines du figuier de figuier sauvage. Hein. Ouais. Euh, donc entre temps, j'ai eu le temps de voir euh, beaucoup de films. Bon, je peux passer rapidement sur euh, le robot sauvage. Euh, oui, pas, était, mal. Euh, pas mal. C'était pas mal. C'était très mignon. Ouais. Vous avez remarqué qu'elle ne recommande que et... des films où il y a Sauvage dans le titre. Hein. <laughs> bon, euh... Est-ce que je suis moi-même un oh. peu sauvage oh, on, euh... de... ah, oui, oui. on le sait, on le sait. On le sait. Voilà. On, euh... retiens, on, retiens, on te retient à chaque fois. Je t'emmènerai <laughs> faire oh, un super safari euh, près de Nantes qui s'appelle Planète Sauvage. <laughs> ah oui yes mais, mais, je, mais, je... mais on y va tous. On a les vrais rêves ici. On y va tous. Euh, ouais, euh... Mais ça, ça, mais ça, ça fait longtemps que je suis pas allé à Nantes. J'ai pas, pas revu la nouvelle et tout. Bah ouais, il faut que je revienne. Je reviens. Euh, donc oui, non, une petite parenthèse déjà sur le, sur le The Wild Robot, donc le robot sauvage de Chris Sanders. Oui. Euh, qui, était, qui était vraiment très, très mignon. Effectivement, tout le monde m'avait dit, tu verras, c'est mignon, tu vas chialer comme une merde. C'était effectivement très mignon et j'ai chialé comme une merde. Voilà, euh, On va rester dans le programme. Mais voilà, histoire, euh, histoire assez, euh, assez, assez simple, mais... Euh, mais qui passe très bien et c'est vrai que quand on voit les films d'animation qu'on a eu cette année, je pense que c'est enfin un des meilleurs sans trop sans trop sans trop se battre sans trop se battre clairement. Voilà et donc c'était donc le réal de du premier dragon et de Lilo Et animateur aussi il était l'animateur était chef animateur sur le roi lion aussi. C'est voilà qui sait qui sait qui sait faire pleurer quoi. Sinon, ah sinon non, je vais faire les vrais les vrais recos parce ah, que allez, je sais que, on je, que je sais que Luc s'est foutu de ma gueule. Non, euh, bon, ah que... non ça va, <laughs> moi, je suis pas foutu de ta gueule <laughs> c'est bon, cool. que c'est ima... taquiné gentiment évidemment, on est on est on est, est qu'amour ici. Euh, la semaine dernière, euh, j'ai j'ai fait plusieurs séances à la Cinémathèque française euh, pour deux cycles qui n'avaient rien à voir. À la fois le cycle de Zaz. Euh, où j'ai revu euh, Top Secret. La chanteuse, hein, bien sûr. Ouais, la, chanteuse. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, la chanteuse. La chanteuse, bien jo. sûr, ouais, Elle euh, est, ouais, est attrapée, forcément. Nous hein sommes des humoristes. L'amour, hein, la joie, ouais. la bonne humeur. C'est vrai qu'en plus, tout <laughs> le monde l'a fait à chaque fois que j'en ai parlé. Donc ouais, bien sûr. Bah, C'est potentiellement une des meilleures blagues du monde. <laughs> bah Il est en train de chialer et de rire. Ça marche. Pour revoir Top Secret, mais j'y étais aussi pour voir des films de Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc qui sont des réalisateurs euh, britanniques, euh, des années, on va dire, euh, 40, euh, ouais, pour, ouais, leur, 40 euh, euh, pour leur euh, prime et euh, donc j'ai découvert euh, comme ça euh, le Narcisse noir euh, bah, le Narcisse noir au euh, cinéma franchement est... je me foutais pas de ta gueule j'étais presque jaloux tu vois parce que bon ouais, noir, c'est bah, incroyable. c'était vraiment super donc avec euh, des, des, des des nonnes euh, qui sont euh, qui sont dans un, dans un couvent un enfin, film euh, prochainement, prochainement remaqué hein, d'ailleurs hein. oui il y a ouais. un projet de remake ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai en plus mmh. et il y a euh, même pas un projet il y a un réel à rattacher et tout ah ouais je ne savais pas si c'est pas annulé 15 fois entre temps quoi mais mais qui arrivent, voilà, qui déménagent en gros dans leur dans leur couvent, et il se passe des événements. Euh, il voilà. y, y, y a une scène de vide. Fin de vide. Mais, euh, mais c'était c'était assez euh, c'était assez chouette parce que euh, c'était euh, comment dire, on, on a eu droit à un petit un petit dialogue euh, un petit dialogue avant et après et c'est vrai que euh, c'était euh, présenté par euh, c'est ce Scootmaker qui jour, ouais. euh, était donc euh, l'épouse de de Michael Powell. Et qui est depuis, euh, je crois que c'est depuis Regine Bull, euh, la monteuse de euh, Scorsese. De Scorsese ouais. mmh. donc, euh, donc voilà, donc c'était une, une dame très, euh, très intéressante qui avait beaucoup de, voilà, beaucoup de super choses à super choses. Je savais même pas qu'elle était encore ah. vivante, tel machin. Va... Ouais ouais. Euh, et donc euh, elle était. La elle, 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 elle a son personnage dans Once Upon a Time in Hollywood d'ailleurs, je crois. Ah, ah ouais, ouais, trop, ouais, ouais, trop ouais. Minute, ouais. Je me rappelle même pas, tu vois. Mais voilà donc euh, elle était. Euh... Elle racontait, elle racontait, plein d'histoires là-dessus et c'est vrai que tu voyais, enfin, tu voyais qu'elle était passionnée, bon, à la fois par euh, le travail de son euh, ex-mari et, et par euh, voilà, par, par par Scorsese et elle, elle racontait, elle parlait un peu du, du matte painting euh, qu'on mmh. voit, euh, qu'on voit dans le dans le Narcisse Noir parce que c'est censé se passer en Inde et euh, le matte painting est vraiment, euh, oh, vraiment est ouf parce que ouais. tout a été tourné en, en Angleterre, euh, sans, sans surprise pour un film de 48 euh, 47, je crois, 47. Et donc, c'était assez sympa de voir quelqu'un comme ça qui fait un lien aussi en disant, bah oui, euh, le, enfin, le lien qu'elle qu refait entre Méliès, genre Lucas et tout, enfin, voilà. De voir quelqu'un qui est vraiment un peu... Euh... C'est la passion, les amis. Et euh, donc, le soir c'était super. Et surtout, euh, ça fait depuis euh, 2011, du coup, que j'entends parler des Chaussons Rouges. Ah oui, euh, oui, oui. Depuis que Black Swan est sorti, où chaque fois, bah, tout le monde comparait, enfin euh, comparait ou en tout cas citait, oui, oui, on va dire, citer, les Chaussons ouais. Rouges en en, inspira, en grosse inspiration euh, pour pour Black Swan. Et j'attendais un peu la, la bonne occasion. Et c'est vrai que le découvrir, le découvrir comme ça, c'était c'était vraiment ouf. Et j'ai eu un coup de cœur instantané pour les pour les Chaussons Rouges. C'était, c'est je, je trouvais ça dingue de se dire que ce film datait de 48 et qu'il était vraiment d'une plastique ouf Technicolor et 30 à, en à, avance ça quasiment euh... quand tu regardes le truc ouais, hein, voilà. mais enfin incroyable j'ai l'impression de découvrir euh, découvrir les couleurs quoi enfin c'était mm. c'était 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 ouf euh. euh, c'est enfin c'est d'une c'est d'une beauté euh, d'une beauté euh, incroyable je trouve que tout le monde euh... voilà tout le monde tout le monde joue très bien hein. c'est c'est assez c'est touchant et tout enfin ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment marqué donc euh... donc voilà il y a si jamais vous êtes à Paris ou vous passez près de Paris il y a tout un cycle euh, donc Michael Powell euh, pendant un mois euh, de, de mémoire et aussi donc le cycle Zaz si vous préférez avoir euh, hot Shots euh, <laughs> et avec avec plein de avec plein de redifs mais c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez sympa d'avoir ce genre ce genre d'événement parce que bah voilà ça m'a permis de découvrir des classiques dans des dans des très bonnes conditions donc euh, c'est toujours cool quoi voilà. super merci vesper pour la recommandation euh, Manu de ton côté moi, je t'avoue, ça va être plus court. Je me suis senti bête euh, d'avoir fait euh, trois recommandations la semaine dernière quand je me suis posé la question des reprises. Ah, t'as ah, oui, ta merde, Parce que j'ai grillé un certain nombre de cartouches. Mais euh, je me suis lancé dans deux reprises. Euh, une sur Paramount, une sur Apple TV. Deux choses dont je vous ai déjà parlé. Il y a la saison 4 de Slow Horses, qui est une série d'espionnage oui. sur Apple TV avec... Euh, ouais, putain, mons, je suis dégoûté parce qu'avec vu le titre, je m'attendais à aller, des courses de chevaux très lentes. Ouais. Du et du en fait, euh, non, et en fait, pas du, pas du tout. Du tout. en série un peu. J'ai l'appelais, mais non, Japlou, non mais je <laughs> Et Gary Oldman qui joue le rôle d'un cheval, tu vois. Non, mais non, mais non, non. mais y'a pas quoi, y'a pas, putain. <laughs> non, mais ça, c'est ça qu'on qu voulait, donc, nous. Putain, enfin, ça a même re repris et ça s'est même terminé. Je crois que ça a l'air français en septembre, mais comme c'est six épisodes, ça s'est fini assez rapidement. Euh... Que plutôt pas mal, il m'en ouais, reste de là. Et ça se passe à moitié en France. À, à moitié, en partie en France et c'est intéressant de voir des séries où quand ça se passe en France, c'est tourné en France avec des gens français et euh, où t'as des vraies rues et des vrais euh, des vrais acteurs français qui parlent en français. Euh, et l'autre c'est euh, Star Trek Lower Decks qui est arrivé avec sa dernière saison sur Paramount Plus qui a sorti les deux premiers épisodes sur 10 du coup. Euh... C'est une série d'animation celle-ci non c'est pas ça. C'est la série ouais, une, une des deux séries d'animation. Ouais. Euh, du coup les deux premiers épisodes sont sortis vendredi dernier pour nous. Euh, jeudi aux États-Unis, soir le vendredi en France. Les veilles, il y a le chat essaie de faire éruption. Et euh, bah voilà, c'était dans la continuité des autres. C'est plutôt fan. J'attends de voir vers où ça mène. Mais comme la dernière saison, de toute façon, ça va. Ça va être la saison du, du épique et des émotions. Ça va le cul du chat ouais, ouais, ouais. Montre -nous, <laughs> mon ton cul. On mon gère, ton... On gère. Un petit caméo. Ok, donc euh, c'était Star Trek Lower Decks et euh, Slow Orsis qui n'est pas donc, une course de, de chevaux lente. C'est ah, ma grande déception. déception. Voilà, Marvin de Henri-Château. Okay, rapport avec Omar Sharif. Voilà. Ouais, ah, non plus. Ah, voilà, de, ouais. Eh, ref, ah. Rêve de cinéphile, encore une fois. Je J'allais dire rêve, de, dit, rêve, rêve de, de vieux. Ouais, <laughs> plutôt rêve, de, <laughs> rêve, de, rêve, de, rêve télévisuel, tu vois. Oui, ah. Rêve de cinéphile, ouais. quand même aussi. C'est pas le Omar Sharif ah. euh, du cinéma, ça. Ouais, c'est l'autre Omar Sharif. Marvin de ton côté. Très rapidement, du coup, micro-reco avant de. Deux micro-reco. La première, vu qu'en fait je rattrape plein de jeux que j'ai pas fait 15 ans après tout le monde, je l'ai fait et en fait je me dis c'est pas mal. Donc voilà, je vous recommander un tout petit jeu qui s'appelle Final Fantasy XVI, par exemple. Ah oui, je connais pas. Tu connais pas, mais je crois que Luc l'avait peut-être déjà recommandé. Je l'avais fait, en fait je l'ai fait le jour de sa sortie, je l'ai déglingué en une semaine. mais Voilà, donc voilà. Il y a des gens qui sont venus dire parfois c'est pas mon FF, machin, etc. Mais en fait, je trouve que ça marche ça marche très bien, Ça marche très bien, ça marche bien. Ouais. Oui, ça marche très bien. Et puis de toute façon, c'est pas à vous de décider, hein. Donc, euh, <laughs> sinon vous faites le prochain et puis vous fermez vos gueules. Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Formule de mixémol, le total. Par contre, c'est quasiment plus RPG. Et puis bon, bah finalement, euh, on va pas pleurer non plus. Euh, non, pour essayer de faire le lien justement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec euh, avec le film d'aujourd'hui. Euh, je vous dirais peut-être d'aller voir ou peut-être revoir les deux babysitters de Magic, Ce sont des films que j'aime ah. étonnamment assez bien. Ils sont sur Netflix tous les deux. Oui, effectivement, oui. Et euh... Ah non, non, pas avec Vin Diesel, non. Non, non, t'inquiète. Non, ouais. ah, non, j'ai des Ah ouais, ah, non, oh je... Oh je les ai même pas vus, ça. C'est avec de... euh... Samara Weaving, du coup, ça. Ouais, c'est avec Samara Weaving, ouais. Et puis, y a, je crois qu'il y a Jenna Ortega dans le 2, il me semble. Euh... Et d'autres gens un peu connus à droite à gauche. Mais euh, c'est vraiment pas mal, Maggie, réalisateur très bizarre, hein, qui avait réalisé Charlie's Angels, notamment. Euh, Terminator Salvation, voilà, euh, des trucs comme ça. Euh, et beaucoup de clips, en fait. Donc, oui, euh, réalisateur bon, bizarre, mais réalisateur très enthousiaste, trop enthousiaste, trop motivé, euh, <laughs> qui fait euh, <laughs> beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de choses très étranges. Oui, oui. Euh, et je trouve que les deux se tiennent à peu près bien, même si le premier est bien supérieur au second, évidemment. Mais ça va, dans l'ensemble, ça va. Donc, euh, voilà. Et d'autant plus que ça peut se rapprocher en termes de tonalité de Jennifer's body, je tout en, en tout en faisant beaucoup plus de choses esthétiquement pour le coup alors c'est très c'est très grotesque vous allez voir beaucoup de sang mais c'est c'est le sang postmoderne vous savez ah c'est les de blood non mais c'est le sang postmoderne tu vois c'est le sang tarantino un petit peu voilà on est un peu dans ce truc là mais là finalement bizarrement je supporte bien je trouve ça je trouve ça rigolo alors c'est plein de rêves plein de trucs voilà c'est un peu con parfois mais voilà c'est bête et plutôt plutôt cool j'ai déjà parlé de detention un peu plus tôt c'est pareil voilà vous voulez voir des espèces de films d'horreur décalés qui font n'importe quoi euh, bah, Detention, c'est rigolo, voilà, à plusieurs moments, on se dit « qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» mais finalement, ça se passe pas trop mal, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc, voilà, le Joseph, et... enfin, Joseph le... Kahn euh, Detention. Et aussi euh, Detention. Le malheureux Détention. Joseph Kahn, qu'on qu ne voit pas assez. Le réalisateur de Torquay, bien sûr. Un grand, euh, un grand et, de et de Bodhid. et de Bodhid. L'incroyable ouais. Bodhid. Si vous n'avez pas vu Bodhid il faut aller voir Bodhid tout de suite, peu, maintenant. Un peu moins marquant, Ah mais, mais oui, <laughs> bien sûr. Un cinéphile qui dit « G a produit dit aussi. <laughs> On ah tourne trop, tourne du pot Marvin pour bien le voir dans une intégrale. Voilà. C'est que 4 saisons et la dernière contre... elle fait 13 épisodes. Ça <rire> <va>. <rire> vous faites <laughs> chier, vous cassez les couilles. <laughs> mais, hein. moins Sinon, que... je vous ai parlé des <laughs> sopranos. <laughs> voilà. Mais tu as fini, j'ai vu, ouais, oui. vu Wise Guys, euh, le fameux doc. Ah, sur, doc. ah Max, je l'ai pas vu encore. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment bien pas mal. Ah okay. oui, oui ouais, c'était bien. Ah, je sais pas. Il y deux épisodes d'une heure quoi, et heure donc, quart à peu près. Donc, de... des sopranos dans ma vie, apparemment. Oui, j'ai jamais maté euh, le préquel, le film préquel. Euh, Est-ce que tu ça ou quoi Vous savez que je l'ai toujours pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Je l'ai vu, je l'ai vu. Peut-être que la force des choses me fera voir, aller savoir, mais euh, c'est pas, pas, pas terrible. Peut-être que le docu te donne envie de, tu vois, de mater le, le film en te... pour rester non, un peu il, dans l'ambiance. Il, il ne l'évoque même pas, en fait. Donc ouais. non. oui, non, oh, mais c'est pour te dire. C'est euh, pour dire le niveau du truc. Euh, <laughs> euh, pourtant, David Chase, c'est quand même très appliqué dans le projet, tu vois. Ouais. Il ne l'évoque même pas dans le docu. Vous ouais, ouais, jamais le bien regarder, bien. me dit-on. Ok. Je le verrai, mais vu le casting des gens qui rejouent les personnages de la série. J'avoue que je suis un peu... C'est c'est Minisense of Newark, c'est ça. Oui, ça, oui, tout à fait. L'acteur qui joue Polly, c'est le méchant dans le nouveau Roadhouse. Oui. Oh là là. Le blond, là, je sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'est incroyable, c'est fou, c'est assez ouf. C'est John Bernthal qui joue le père Soprano. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Ah, là, tu m'as dit le mot magique. Johnny. John Bernthal, c'est un peu le mot magique, ah ouais, mais il y a beaucoup ouais. de mots magiques pour toi, je pense. Mais euh... ouais, ouais. <laughs> oui, tu devrais le savoir depuis le temps. Ah bah ouais, mais je le sais magie. bien. Ouais. Ah, non, je pensais pas <laughs> de John Bernthal. Ah, euh... si, oh, si, si. Ouais, ouais. Pourquoi ouais. pas Ouais, ouais. Tu aimes ouais. bien les énormes nez, quoi. C'est ouais, pour Marc. <laughs> <laughs> ah, attends, bah, attends. Pierre Ninet, Pierre Ninet, ça passe ou pas et John Bernthal. Ah, Est-ce que tu regarderais <laughs> match retour Est-ce que tu regarderais match retour pour John Bernthal Ah ah ah. Parce que là, t'as John Bernthal qui joue le fils de De Niro, et du coup, ils ont mis une prothèse de nez pour qu'il ressemble à Mais attends, mais Match retour. C'est le, le combat entre Stallone et oui. De Niro. Mais je l'ai vu. Ah putain, moi vu. aussi je l'ai vu. J'ai vu au, je au cinéma, fou. mon ref. Ah, bah ah non, ouais, non, ouais, Non, 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 non. Oh la vache. Non, non, je pensais que tu parlais d'un truc récent, moi. Non, non, ah vu non. Match non, non, bah non. John Berntal, truc récent, malheureusement, il n'y a plus. Hein. Ouais. Bah, mais et dans euh, The Bear, euh... il est très bien. Oui, dans The, The Bear. Vois, ouais. je on le voit peu, mais il est très bien. Fantomatique, mais ouais. Attends, dans War Devil. Ah là là, non, mais ça. J'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai peur et j'ai hâte. Oui, vous avez, vous avez peur et vous avez hâte pour Daredevil, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui est dans ce dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a Blade aussi. Blade, c'est foutu. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Oui, c'est refoutu. Euh... Ah, c'est Repoussé indéfiniment. Ah ouais, non, ah, <laughs> ça, c'est la meilleure blague du système, hein, Hollywoodien, ça. C est, c est, ah, je pense. Euh, c'est terrible. Pourtant, pu... Maher Challah est en Blade, putain, merde quoi. Mais ah, oui, non, passe, mais on aurait euh... pu avoir un truc trop stylé et on nous le on nous le refuse quoi. Ouais. On nous après, non, mais je pense que vu comment c'était parti, ça aurait été infernal, mais. C'est ouais, dommage ça... Il y a un jeu pousse... vidéo Blade sinon. C'est vrai. On se souvient avec ça. Mais oui, Mais c'est pareil. Le il y a pas longtemps du coup. Mais le jeu vidéo Blade, il a été annoncé il y a 25 ans, non il Se passe non, à Paris en décembre oh, dernier. Non, il y a l'année ah, dernière. Oui. Qui se passe okay. à Paris. Ouais. Oh. Mmh. On va avoir des, euh, des French Baguettes, ça va être incroyable. Ça. Ouais, non. En plus c'est par arcane hein, donc euh, non non. Blade est ah, son ouais. Blade et son béret, Putain, Est-ce que c'est pas ça qu'on veut finalement C'est ça qu'on veut. Oh ouais. putain, clairement. Avec du saucisson et tout, c'est incroyable. Euh, en parlant de français, ah, tiens, j'ai joué Pierre, à, à, à Plague Tale, euh, Innocence. Ouais, j'ai commencé. Euh, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein, bien, du coup, bon, ah, c'est vraiment stylé. Ça, et... ça, vraiment, je, je vérifie les recos des autres en fait. Je fais une espèce de, de, de vérification. j'avais fait Slow R6 aussi. Tu vois, je vérifie euh, ah. la qualité des recommandations. Même, <laughs> faut, faut, très bien. Voilà, très faut, bien. faut quand même dire si. Est-ce qu'ils disent n'importe quoi Non, non, c'est bon. Non, non, c'est vraiment non, le cas. Euh, j'ai commencé oh aussi, euh, j'ai fait une dizaine d'heures sur euh, Black Meat euh, Wukong aussi, euh, qui a eu une sortie catastrophique, parce que oui, ils sont complètement cons, euh, <laughs> parce que vu que c'est un studio chinois, ils avaient balancé, les, les, voulaient les, les clés, alors vous parlez pas de vos sujets de merde occidentaux s'il vous plaît, et, euh, et ça, a été, voilà, ça a été balancé comme ça, ils n'ont pas externalisé. Et finalement, simple, euh, on a évité bien. les vidéos d'analyse des relous habituels, et on va... Voilà. Vrai... On est content. Ah, non, est on les a pas évités. en fait, il non, 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 y a eu des gens. Il y a eu, eu, eu il y, y a eu le, il y a eu pas le. eu de vidéo d'analyse, ouais. mais on a eu des semaines de pleurs. Je préfère, je préfère. Pour beaucoup de raisons de ne pas rentrer dans ce débat. Ouais, oui. ouais, dans ce débat. Mais nous, on peut le faire. Euh, oui. euh, mais <laughs> donc, on parle de, <laughs> de ces colères On parlons ces colères, On va les donner des noms. Non, je déconne. Non, non, non. Mais bon, vous savez tous, on n'a pas besoin de donner des noms. Non, non, mais, mais euh... le, le, jeu <laughs> mal, hein. le jeu au final est pas mal. Le jeu au final est pas mal. C'est un God oui. of War mélangé à Elden Ring. Un peu dans le, dans le gameplay, en fait, un truc à euh, une, en une parlant difficulté de... progressive. D'ailleurs, en, en parlant de French Baguette, il y a eu... Euh... Je ne sais pas si vous avez vu le Baguette Trailer de Expédition euh... si, si, Claire si, Obscure. Si. avec la marinière. Elle... Ah, oui, ah là, ouais. oui, 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 effectivement, ouais. Oh, ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, oui. Ah, oui, oui, ah, oui, le chat en fait. Un le beau, un fait. casting vocal. ouais oui, oui, ouais, quand Oui, le Claire Obscure, ouais, ça a l'air pas mal aussi en ça, ça, intense. Mais euh, ouais Black Mint Wukong, vraiment très bien, vraiment, vraiment sympa. Et euh, The Substance, sinon que j'ai vu, mais... Euh... Euh, ah bah on a fait bon, un épisode Patreon pour, euh, ouais. pour justement euh, en parler en détail avec, avec Marie-Clémentine. J'espère euh, le mettre dans ma recours à la semaine prochaine. Prochaine. Ouais, ouais. Bah, oui, mais je pense que oui, ça peut plaire. Franchement, c'était une bonne surprise. Hein. Moi, ah, mais je que, vraiment à... que Je sais en que ça fait... me plaira au niveau des thématiques, mais j'espère ne pas être traumatisé <laughs> par le reste rien euh, vu sur en fait, euh, moi je me suis fait spoiler visuellement des trucs fait, sur Twitter je me suis fait spoiler visuellement des trucs sur Twitter parce qu'évidemment mmh, les Ricains peuvent pas s'en empêcher alors parce que déjà absolument ça, rien vu alors vous savez pourquoi euh, en fait si, moi, il y a eu un énorme problème en fait avec la distribution du film parce que normalement c'était Universal qui distribuait le film euh, et oui, sorti oui, oui, mondial tu Mubi, sais, Mubi, avec une, une distribution ouais. classique sauf qu'Universal en fait a, a vu le film le premier cut il a fait euh, allez vous faire foutre on sort pas ça et, euh, et pour le coup en fait ils ont vendu la distrib à Mubi mais Mubi ne s'occupe pas de la France parce que pour eux c'est trop casse-couille, donc ils ont vendu les droits en fait à Metropolitan, mais pareil en fait une question de bise, c'est que Metropolitan. Oui, c'est pour ça que vous retrouvez qu'il y a un mois de décalage entre les deux. Voilà, pays. exactement. Il y avait une, une négoce qui a duré très très longtemps et finalement en fait c'est sorti partout dans le monde. Sauf en France, ouais. et ça arrive le 7 novembre finalement. Euh, voilà, mais c'est bah, vraiment pas mal. Ouais. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment. En vrai, j'ai rien vu moi sur. Euh, ah ouais, film, moi. Je ah, bah, pense que j'ai. En fait, ouais, fait. j'ai. J'ai masqué. Moi, j'ai vu des trucs qui arrivent sûrement très tard dans le film, figure-toi. Ouais, moi aussi. <rire> <rire> en fait, aussi. déjà, <laughs> moi, faut savoir que maintenant, dès qu'il y a des gens qui tous les jours font des micro critiques de films, je les masque en fait, parce que je m'en fous. <laughs> oui. Vraiment, tu ouais. vois, c'est par pure malveillance, genre vraiment, par pur mépris, je les masque. Du coup, j'ai. Plus de gens qui donnent leur avis sur euh... le ciné, en fait, j'en ai plus. Mon de... algo est tellement pété de follow que je ne vois plus les tweets des gens que je suis. Ouais. Vraiment, ouais, je, ouais, vois... ouais. Je, je dois voir 10% des gens que je suis, et vraiment, si c'est des gens qui tweetent plus d'une fois par jour, c'est trop, tu vois. Ouais. Donc, de temps en temps, je suis obligée de mettre un orteil dans le for you pour <laughs> espérer avoir des tweets que j'ai ratés de gens que je suis. Ouais. Et forcément, il y a aussi, du coup, des tweets que je ne trucs pas. Ouais. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des, des gifs entiers. Ouais, c'est ça, non, en fait, le suis... problème. Ça, Et le même problème. Les, les déguisements d'Halloween, du coup, des Américains. Oui, parce que de, c'est devenu une tendance. Euh, c'est devenu voilà. une tendance, en fait, le film. Le film est devenu, en fait, instant culte, limite, aux États-Unis. Et du coup, en fait, tu te tapes tous les trucs où les gens disent hey, « Eh, cette scène, elle est géniale ». Ah ouais, elle ouais, 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 est trop bien. Elle est trop bien. Moments, Et toi, t'es là, t'es Allez vous faire foutre. Euh, ouais. <laughs> Allez ouais, vous faire foutre, putain. Et ouais, ouais, non, non, non du coup, voilà. En bah, dites-vous une... que de toute façon, si c'est si bien que ça, vous en foutez, ça sera bien quand même. Oui, non, non, mais bah, voilà. Bah, c'est ça, le truc, c'est hein. jamais un motif de, 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 de En de qualité, fait, hein. si tu veux, j'avais vu le film sur Twitter avant d'avoir vu le film. Mais finalement, en regardant le film, c'était vachement bien. C'est l'expérience, en vaut la chandelle. c'est très bien que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, mais le l'absolue culture du non-spoil, bon, en vrai, c'est le film est bien, il sera bien quand même bah ouais ouais même non. en ayant même en ça ayant dépend. su les tout ça oui trucs. ça dépend du film ça dépend de vrai plein vrai. de choses il y a des films si ça, si ça repose beaucoup sur quelques ressorts scénaristiques si on te les spoil ça te fait chier tu vois ouais oui que bah ouais, le film est pas bien tu vois trap voilà. trap je, 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 faire... je me suis fait spoiler ouais, avant je me suis fait spoiler avant s'en trap que... c'est enfin, nul <laughs> en fait c'est nul. c'est nul ouais Marine on en parlait tout à l'heure <laughs> mais avant que je vois ça j'ai un pote qui m'a dit tu devineras jamais et du coup première minute j'ai deviné ah ouais mais ah ouais si tu si si on dit tu devineras Ouais, bah, tu oui, où bah, il y a trois personnes dans une pièce. Ouais, mais le, le film il est le film il est quand même bien tu vois ça va. Ouais ça, mais du bien, coup ça souffle. Ouais, ça Je se... ouais, sais pas moi j'ai aucune euh... enfin je sais pas j'ai aucune au spoil vraiment je m'en euh... fous en fait. donc. Euh... Ouais, moi ça moi j'avoue ça me ça gave. Il dé... y, y a certains degrés hein, mais. Euh... Mais, certain mais si on t'avait spoilé les sopranos avant que tu vois l'épisode final qu'est-ce que t'aurais dit? Et et ben, euh, je oui, l'aurais la ouais. vu quand même, tu vois. Elle euh, connaissait déjà allez, la, allez, la fin des Soprano Alizé, Alizé elle de la Prano. connaissait déjà, celle-là, la, ah, ouais. la série, tu vois. Donc, ah, c'est ça que aussi quand tu rattrapes ah, là, quand, des trucs. Quand t'as 20 ans de retard euh, sur ah, une ouais. série, ouais. forcément, tout le monde l'a débattu autour pendant 40 ouais. ans, quoi, donc, euh... Mais en vrai, ça change pas l'expérience du tout. Si un jour tu vois un film et le spoil il te flingue le film, c'est que c'était de la merde. Hein. Enfin, oui. Franchement, euh, tu vois, c'est que c'est un chien malin récent, quoi, en fait. <rire> <rire> et, ah euh, non, là. mais vraiment. Or, tu le sais, bah ouais, il avait, il avait mis que ça dans le film, quoi. Donc, oui, euh, non, mais. Du coup, euh... Tu vois, comme euh, la fin. Enfin, on sent encore autre chose, mais la fin de Breaking Bad ou genre de truc, c'est la fin que tout le monde imagine. Euh, mais oui, en coup, plus, le... là, pour le coup. C'est le, vo euh... vo le voyage que tu. Que tu... C'est le voyage. Ah, c'est le voyage années, le plus important, c'est ça. Tout mais à fait, sûr. Pour les séries télé, c'est encore différent, quoi. Enfin. Il y a tellement de, de contenu hein, d'heures avant de, euh, hein. avant d'arriver au, ouais, au truc où ah, tu t'es fait spoiler, ouais, c'est clair. Mmh. Et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Vesper, merci Manu, merci Marvin et merci au chat d'être resté jusqu'au bout et merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, le forfait à trois euros chez L'Esprit pour avoir l'épisode en avance sans pub, le forfait à 5 euros chez Plus pour les épisodes en avance et le contenu exclusif comme les react les tier list qu'on fait en live, le Making, euh, of, le du le ma le making of du Pacte de des Loups effectivement ah. euh, et les épisodes exclusifs comme le dernier qu'on a fait donc, sur The Substance euh, et le forfait 10 euros hall of Fame donc tous ces bonus plus euh, les stickers et le remerciement éternel. Alors Nouveau donateur cette semaine. J'ai oublié de reporter. Mais nous avons quelqu'un qui a donné cette semaine. Il faut! Oh, Super, que dit, vraiment! Ouais. Et ça, c'est pas cool, Luc, parce que c'est ouais. le premier de l'histoire de ce podcast qui, 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 qui passe voit pas. son nom. Euh, et, ouais. bah, et, écoutez, on va rester longtemps sur son pseudo, prochaine. sur son pseudo qui s'appelle euh, White Met. Voilà, on parlait Breaking Bad, on est en plein dedans, c'est incroyable. Ah. Vous voyez, hein, finalement. Euh, et bien sûr, le Hall of Fame, Sam l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courteman, Jonathan Cassès, Oral The Griff Keeper, Austin Blue, David Entreligator et Igandi. Merci! À vous tous. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de cuir encore une fois avec... De Ville, euh, Dark devil pardon euh, Voilà, voilà le, le grand film culte des années 2000 alors on, va, on va bien se je vous laisse gérer ça tranquillement voilà. hein, lui il sera en vacances je... ouais, il, petit bon petit bon il prend son petit congé voilà, il sera remplacé <laughs> par, par quelqu'un de plus gentil qui s'appelle Mathieu euh, shitlistpodcast.com pour, pour le SAV le jeu sur Twitter Blue Sky Instagram TikTok et sur notre Discord notre chaîne Twitch Youtube est pour le live et la VOD et bien sûr laissez bien vos commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast hein, qu'ils soient mauvais ou bons mettez 5 étoiles ce serait sympa et on le lira bien sûr euh, durant le live et même euh, envoyez n'hésitez pas à envoyer des DM à Marvin qui nous partage et puis que nous on pourra lire aussi hein, parce que bien sûr hein, non s'il vous partager. plaît faites pas ça tous les jours euh, et on se dit à la semaine prochaine salut à tous bye bye c'est tu ne peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté, c'est copianté, copier, copianter, Tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté, c'est copiané Copyrighté, On n'a pas de blé. Tu peux m'en donner. Là. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Copy copy tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté. Copié raté, copié raté, tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copié C'est Copyrighté, 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 tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté. C'est Copyrighté, 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 tu peux l'écouter.